Prima grazie mille per questa invitazione, avevo quasi 25 anni che non ero venuto qui a Milano e anche 25 anni che non ho veramente parlato in italiano e per questo posso provare di iniziare un po' in italiano, ma diciamo che cambierò. Se veramente con il francese è un po' complicato, posso fare un futuro in italiano più o meno, diciamo. Allora, secondo punto, il mio tema non è una provocazione, adesso ho visto che i vostri studi sono sui cambi culturali, sui problemi di legame tra le culture e dovete sapere, penso che la Pasqua non è un pasto soltanto italiano, vedremo che è fatto un tipo di consumo dei cereali che viene universale, veramente usato dappertutto, e secondo punto l'utilizzazione delle paste alimentari di grano duro come icona, secondo, della cultura alimentare italiana, secondo me questo, e non sono solo a pensare questo, è veramente una cosa costruita nel secolo scorso, durata tanto tempo. Terzo punto, questo soggetto era il soggetto della mia tesi di dottorato e dopo 10 anni devo assolutamente pubblicare questa tesi in quest'anno e per me era anche interessante rivedere un po' il quadro generale in cui avevo fatto questo studio prima di finire di scrivere l'ultima menzione finale su questo tema. Ma prima volevo fare una piccola presentazione del quadro in cui lavoro adesso a questa università di Tours che si trova a Nord, treno molto velocità di Parigi, presso i castelli della Loire. E all'Università di Tours c'è più o meno un network di cose intorno all'alimentazione che adesso diventano una cosa abbastanza importante, penso, nell'ambito degli studi e dei food studies a livello europeo. Prima c'è l'Institut Européen d'Histoire et Culture de l'Alimentation che è stato creato più o meno nel 2000-2002, che è un'istituzione legata all'università ma che viene autonoma. Tiene una biblioteca veramente molto interessante, perché penso che sia la più importante d'Europa sul tema. Abbiamo adesso 6.000 o 7.000 libri soltanto sul tema delle culture dell'alimentazione. C'è un network abbastanza importante che uno studioso che vuole partecipare può iscriversi, si cercate dei specialisti di un tema o un altro, c'è tutto un elenco che penso che sia completamente aperto, è molto semplice di trovare le informazioni. Anche la biblioteca, se non si fa parte di questa istituzione, se è possibile andare e studiare nella biblioteca. Poi ci sono molti eventi scientifici, c'è stato un simposio molto importante 3 settimane fa con più di 120 docenti e c'è anche una summer school che può essere interessante per voi perché adesso è aperta a studenti che finiscano il master, prima soltanto per studenti di dottorato, adesso è un po' più aperta e si tiene a fine di agosto. E poi ci sono un paio di pubblicazioni, una rivista Food and History, una delle riviste europee sul tema, i Cahiers de la Gastronomie, che è una cosa anche più aperta per tutti i pubblici, e poi una collezione di libri, Table des Hommes, che ha iniziato 10 anni fa, adesso penso che abbiamo una trentina di libri in questa collezione. Comincia a fare qualcosa di abbastanza interessante e ci sono degli eventi, cioè
ogni due mesi c'è qualcosa al tuo intorno. Il mese in giugno ci sarà il mondiale del formaggio, è una cosa molto interessante, con il migliore dispensatore di formaggi, quello che sarà capace di fare il più bello piatto di formaggi, c'è un concorso. C'è un laboratorio di ricerca di cui faccio parte, Leon, di Equipe Alimentation, un nome molto semplice. E, ci sono tanti temi su cui possiamo lavorare, ma siamo soltanto sei in questo laboratorio, in più abbiamo una centinaia di ricercatori associati a questo network. I nostri temi di ricerca sono sulle innovazioni alimentari di Uzi, sul packaging, è stato un tema di ricerca abbastanza importante che adesso è nella metà del suo sviluppo, e poi tutto un lavoro più classico nel campo della cultura dell'alimentazione sulla sociabilità e l'identità culinaria. E poi abbiamo anche un master specializzato di cui sono adesso responsabile. Una storia culturale e alimentazione che funzionerebbe anche con un master più professionale che si tiene all'Università di Bologna con professori internazionali, e iniziando l'anno prossimo abbiamo anche dei rapporti, dei scambi di studenti con l'Università Franca di Bruxelles, con il professore Peter Scholes, che è uno dei docenti specialisti della storia contemporanea dell'alimentazione. Così abbiamo anche qua un master, come vedete, e abbiamo attualmente ogni anno studenti italiani, almeno di Bologna, che vengono a seguire alcuni corsi in questo master. Non è finito, quasi. E anche, sono anche queste istituzioni che hanno riuscito, soprattutto l'Istituto Europeo, di fare in modo che la Francia avesse questo riconoscimento del pasto gastronomico alla francese come patrimonio immateriale dell'umanità. Allora, possiamo poi discutere una cosa che è molto costruita, davvero molto politica, però cioè, c'è qualcosa che è stato un progetto, almeno di riconoscimento a livello dell'UNESCO, che è stato fatto dentro i nostri muri, e accanto a questo riconoscimento c'è un sauvetage e valorizzazione del patrimonio culturale e alimentare, tenuta dal professor Marc de Ferrière, suo obiettivo è di sviluppare una rete di studenti e scolastici attraverso i paesi del sud per discutere e avere molti scambi su questo tema. Siamo quasi una piccola università, non siamo tanti per far funzionare tutti questi progetti, ma almeno cioè, esistono, è sempre possibile di venire a vedere un po' cosa facciamo. Adesso cambio un po' per il francese. Allora, dans les thématiques che avant d'entrer dans le détail, et puis je développerai après, il paraissait intéressant de venir ici, hein, de faire un master en Institut européen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et cette culture d'alimentation? Vous en faites, ici vous avez un laboratoire, généralement on a tous une idée, mais en même temps on n'a sûrement pas tous la même idée autour de ça, donc évidemment je n'ai pas la prétention ici de fermer une discussion qui est ouverte hein, sur ce que c'est que l'histoire et la culture d'alimentation. Je voudrais juste m'appuyer sur une approche que j'aime bien, ou en tout cas qui me fait réfléchir en ce moment,
qui est celle que développe en particulier notre collègue Peter Scholliers de l'Université de Bruxelles, qui a développé en particulier dans deux articles que je n'avais pas mis dans la bibliographie, mais qui reste dans le PowerPoint, dans lequel effectivement il essaye un petit peu de tracer des perspectives sur les où on en est aujourd'hui dans ce champ, en particulier en histoire contemporaine. Parce que là, il faut peut-être distinguer un peu les choses. Sans doute en histoire moderne, antique et médiévale, les choses sont déjà mieux constituées, les visions globales sont relativement bien structurées. J'ai quand même le sentiment qu'en histoire contemporaine, il y a beaucoup de choses à faire et on n'a pas encore de vision globale. Alors certes, vous avez dû voir qu'il y a des ouvrages, la Oxford Food History, la History of Food Cultures chez Berg, plus anciennement le livre de Flandrin et Montanari, mais quand on regarde précisément la partie contemporaine est finalement très très courte, et on n'a pas le sentiment effectivement que le champ est devenu tellement vaste qu'il reste encore beaucoup de travaux à faire. Donc Peter Scholliers, donc c'est un peu attelé à l'idée de s'éclairer un peu dans cet ensemble ce qu'on pouvait voir, et deux remarques que je vais reprendre de lui. D'abord, effectivement, constater que c'est un champ de recherche aujourd'hui qui est accepté. Il y a encore une trentaine d'années, je dirais, ça faisait un historien qui faisait l'histoire de l'alimentation, ça sentait le repas médiéval qu'on avait préparé le dimanche entre collègues, ou les tentatives de recettes de la Renaissance, quelque chose de plus festif, mais assez peu scientifique, ou en tout cas pas complètement scientifique. Bon, cette idée-là est quand même pas mal refoulée, il y a une légitimité scientifique qui est reconnue, mais d'un autre côté, force est de constater qu'on a un domaine qui est très fragmenté. C'est-à-dire finalement, c'est un domaine d'activité de l'alimentation, hein. On va considérer que c'est plus de la moitié des occupations humaines touchent d'une façon ou d'une autre des questions alimentaires. Et effectivement, tout le monde peut venir chercher des éléments, discuter, prendre le terrain d'étude dans ce domaine. Donc, effectivement, au final, on aperçoit plus des fragments, surtout, je répète, en histoire contemporaine, plutôt qu'une vision un peu d'ensemble. Alors, pour essayer de faire un petit peu le lien, de quoi on parle quand on parle d'histoire de l'alimentation contemporaine, si je reprends un petit peu les publications, je pense que c'est une bonne approche, en tout cas pour voir ce qui se fait, pas ce qu'il faudrait faire, en tout cas ce qui a été fait. Et Peter Scholliers rappelle en fait finalement qu'il y a un certain nombre d'axes, si vous voulez, qui sont liés à des possibilités de recherche, en fait, surtout. Des histoires de produits, tout d'abord. Il y a toute une tradition, il y a même une série chez Berg qui est publiée autour de ces histoires de produits. Des histoires autour des transformations des usages alimentaires, des usages des aliments, avec l'idée effectivement de comprendre dans la très longue durée, parce qu'on se rend compte finalement que ces comportements, on sait qu'il y a des changements récents qui sont en apparence allés assez vite, mais c'est souvent en apparence, c'est-à-dire que finalement c'est des changements alimentaires, en tout cas au moins jusqu'à je dirais, la période de la Seconde Guerre mondiale, sont lents. On le reverra avec les pâtes, il y a un ancrage et c'est peut-être là aussi qu'on est dans une dimension culturelle, ces changements interviennent mais selon un processus qui finalement est lent et on retrouve ici finalement, pour ceux qui connaissent, le temps matériel de chez un Brodel, c'est effectivement dans des changements très lents, même si en apparence il y a pas mal d'éléments qui bougent. L'autre élément sur lequel il y a pas mal de travaux, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y en a eu beaucoup autour de la construction des identités collectives dans l'alimentation. Le fait de s'adresser à l'autre en fonction de ce qu'il mange, ou de le juger par rapport à ce qu'il a fait. On peut penser en particulier à l'ouvrage sur la construction de l'identité culinaire italienne, hein, qui je pense est une référence de ce point de vue-là. Sur la France, ça reste encore à faire, si tant est que ce soit possible de le faire en fait. Et puis, des constructions sociales, des représentations de l'alimentation, quand est-ce qu'on pense bien manger ou mal manger, est-ce que finalement, et le bien et mal manger prend un sens très variable, bien au sens du goût, bien au sens de la santé, là aussi, on sait bien que c'est des constructions sociales, et là-dessus en particulier,
des travaux sur des périodes plus anciennes, donc pas mal de choses à nous dire. Et puis enfin, pas mal de travaux sur la question de la sécurité alimentaire et de la, et la sécurité sanitaire, hein, qui sont deux choses différentes. La sécurité alimentaire qui a trait à la capacité à se fournir des aliments, à disposer de ce qui est nécessaire pour vivre, et la sécurité sanitaire en voyant effectivement à la question de l'alimentation qui est saine, qui garantit la santé d'un individu, et autour de ça, des normes et des règles qui sont mises en place. Voilà, bon, je vais pas développer plus, mais on peut faire d'autres dimensions. Je dirais que pour la France, on a en plus le questionnement sur la gastronomie, hein, qui a été là aussi un champ de recherche ouvert, à mon sens, qui n'est pas encore fermé. Il y a l'histoire de la gastronomie comme discours culturel. Mais je trouve assez curieusement que la question centrale dans la gastronomie, qui est la recherche du plaisir, est souvent assez absente. Qui est implicite évidemment dans ces travaux, mais mériterait d'être plus explicite. Ça, c'est des choses peut-être sur lesquelles on a à faire. Et puis en France, on a aussi, et je m'inscrirai un peu là-dedans dans les perspectives que j'ai, autour de réflexion sur les marchés. Il y a une sociologie des marchés qui se développe beaucoup maintenant depuis une vingtaine d'années, là, je pense en France, et les questions de marché alimentaire, avec effectivement tous les enjeux qui sont derrière, ont attiré pas mal de travaux derrière tout ça. Alors, pour en venir, pour terminer sur l'image de Peter Scholler, ça va en repart, finalement, l'histoire et les cultures de l'alimentation, c'est quoi ? Peter propose de ça, a house with many rooms, une maison avec beaucoup de pièces. Et je pense que l'image est bonne, elle est discutable, mais elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plutôt que de considérer que c'est un domaine de recherche parfaitement structuré avec des axes, on voit bien que c'est une construction, mais qui n'est pas non plus complètement aléatoire, elle n'est pas rassemblée avec un certain nombre d'éléments, même si ils sont peut-être plus émergents que clairement vus. Et puis ces différents domaines se superposent, effectivement, constituent une architecture, mais en même temps sont cloisonnés. Il y a un petit peu d'ambivalence. Je fais partie, peut-être un peu comme Peter Scholier, de ceux qui aimeraient bien qu'on ait finalement une architecture plus claire, ou en tout cas des projets transversaux, mais ce n'est pas non plus une obligation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes qui sortent de cette accumulation, qui est aussi une accumulation historique et historiographique, c'est-à-dire que c'est un intérêt qui a évolué sur les 50 dernières années, et des méthodes ont évolué. Et pour qui s'intéresse à l'historiographie, c'est-à-dire aux méthodes historiques, quelque part, l'histoire de l'alimentation montre bien comment les historiens ont fait évoluer leur raisonnement. Alors, je prends le cas ici tout de suite. C'est, historiquement, pour les historiens, l'histoire de l'alimentation démarre, entre autres, avec Lucien Febvre, et Brodel, enfin, pour monter plus loin, mais je vais parler des historiens plus récents, et avec une problématique très associée à la mesure, hein, combien les gens mangent, à quelle quantité, est-ce que le bilan nutritionnel est suffisant, pour voir ça un petit peu comme une contrainte hein, sur les sociétés humaines et l'évolution de cette contrainte étant un élément d'explication de l'évolution de ces sociétés. Et cette approche-là, je dirais, a favorisé finalement une approche statistique hein, de reconstruction temporelle, même si elle passe par des sources qualitatives, et elle a mis complètement de côté la perception de cette alimentation, les usages concrets qu'on faisait. Compter les calories, c'est pas dire comment on les mange, c'est un autre questionnement. Et de la même façon, effectivement, que l'histoire sociale est passée plus vers l'histoire culturelle, avec les questions que ça pose, là aussi, l'histoire de l'alimentation est passée d'un constat, est-ce que les gens mangeaient suffisamment, et quels étaient leurs principaux aliments, à des questionnements qui se sont développés, entre autres, avec Jean de Flandrin, et qui se développent encore aujourd'hui, la question de savoir qu'est-ce qu'ils pensent manger, quelle est leur relation à ce qu'ils mangent, et puis également, effectivement, comment ils produisent ce moment, finalement, individuel ou collectif, dans lequel on consomme un aliment. Alors, il y a effectivement toute une strate, effectivement, bon, je ne vais pas reprendre ici, on pourra éventuellement en discuter, avec des champs voilà, qui se côtoient. On peut faire des symposiums, faire des tables rondes avec des gens qui ont des démarches très différentes, et effectivement, on observe des points de vue différents sur les choses. Ce qui donne effectivement une certaine richesse d'échange, mais voilà, l'architecture de la maison n'est pas encore visible. Alors,
quelle architecture on peut donner. Donc là aussi, je ne vais pas être original du tout, mais je vais essayer d'être très simple sur une question qui est assez compliquée méthodologiquement. Très simple parce qu'en fait, la notion de food system est une notion très simple. C'est l'idée qu'un aliment, ça part de la production de base, déjà de ce qui est consommable, enfin de ce qu'on va développer pour être consommé, jusqu'à sa consommation finale. Et historiquement parlant, eh bien, les étapes qui vont de ce début à cette fin se deviennent de plus en plus longues. Il y a des détours de production, de distribution, de transformation, d'élaboration, de publicité, d'image, voilà, de saturation dans tous les sens, qui se sont d'ailleurs fortement développés au siècle dernier, qui font effectivement un système complexe qu'il faudrait peut-être pas oublier quand on s'intéresse, comme le font beaucoup d'historiens, essentiellement à la dimension culturelle, qui est entendue d'abord en priorité sur la consommation, hein, c'est-à-dire la culture des consommateurs, la vision qu'ils ont des choses-là. Donc, pour revenir sur faire, qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire culturelle, enfin, d'approche historique et culturelle de l'alimentation, je pense qu'effectivement, c'est essayer de rapprocher ces deux éléments, c'est-à-dire peut-être s'intéresser sur la perception du consommateur, mais essayer de mettre en perspective derrière également pourquoi le produit est devant lui, pourquoi finalement la construction, qui est peut-être la sienne propre et liée à son groupe social, fonctionne d'une certaine façon, mais en quoi elle est liée, je dirais, à l'ensemble du reste du système, qui va depuis l'agriculteur. Là, par exemple, sur des produits comme le vin, vous avez peut-être déjà cet exemple, sur les questions de terroir, évidemment, la construction de l'imaginaire du terroir pour le produit du viticulteur n'est pas sans incidence, effectivement, sur la façon dont le consommateur va boire le vin. Et effectivement, comprendre tous ces éléments-là. Les comprendre, évidemment, c'est difficile, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait face à une sociologie qui est celle, finalement, qu'on a aujourd'hui pour la compréhension des systèmes sociaux, où on a un ensemble de contraintes, un ensemble de modes de fonctionnement collectif qui produisent des normes et des façons de fonctionner, qui sont plus ou moins disjoints, mais qui fonctionnent sur un terrain commun, et pour essayer effectivement de voir comment tout ça s'agence, et comment tout ça est susceptible de fonctionner, premier élément, et d'évoluer. Sachant qu'une évolution, alors ça peut être l'agencement de l'ensemble des micro contracteur à l'intérieur de ce système, comme ça peut être l'effet effectivement d'éléments extérieurs. Par exemple, l'accueil de nouveaux aliments, je crois que vous avez vu cet exemple, hein, des aliments exotiques, des aliments d'Amérique du Sud, effectivement, un apport exogène qui a modifié le système, on incorpore effectivement des éléments, et par les voyages, effectivement, on prend conscience d'autres modalités d'alimentation et on les retravaille pour les intégrer dans son propre système en faire autre chose. Ça, c'est un apport exogène. Mais on va voir d'un autre côté que si on veut penser l'alimentation aujourd'hui, eh bien, les rapports de force ou les types de liaisons entre les acteurs à l'intérieur, et aujourd'hui, il y a véritablement trois acteurs principaux, les agriculteurs, les transformateurs, et puis celui qui est sans doute le plus fondamental si on veut comprendre la situation aujourd'hui, le commerce, ce qu'on appelle en français la grande distribution, sans lesquels, effectivement, le consommateur n'a rien en budget. Voilà. Et donc le jeu, si vous voulez, entre ces différents éléments-là, même si on fait du culturel, il faut savoir effectivement, on s'intéresse uniquement aux représentations du consommateur, quel est le lien avec les autres, en tout cas avoir conscience du fait qu'on n'isole pas peut-être totalement. Donc mon hypothèse, en tout cas, ça veut dire que peut-être en travaillant ces choses-là de façon conjointe, ou en tout cas en prenant conscience, on peut réussir à avoir une maison peut-être qui étudie le food system. Et de façon peut-être un petit peu plus structurée. Alors pourquoi je suis passé par ces tours? Parce que c'est un peu la démarche que j'ai eue dans ma thèse, mais en étant très clair, je suis loin d'avoir étudié toutes les étapes, toutes les interrelations, en particulier, je pense que j'aurai le temps de développer que ça sur la relation entre construction de la consommation et producteur. Finalement, les liens sont difficiles à établir ou à comprendre. Il y en a, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que les producteurs déterminent les consommateurs jusqu'à quel degré, jusqu'où effectivement ils peuvent influencer les modes de consommation? Je dirais que j'ai une conclusion qui est plutôt assez traditionnelle en fait, parce qu'il est difficile de répondre à ces éléments. Voilà, donc c'est un petit peu l'approche que personnellement je prône, et dans notre master, et dans nos centres de recherche. On essaye, au moins en étant pluridisciplinaire,
précédait effectivement de toujours se parler, qu'il y a du psychologique, qu'il y a de l'économique, qu'il y a du sociologique, de façon effectivement à ne pas uniquement se concentrer sur la dimension culturelle, donc elle est passionnante, mais essayer effectivement de faire tourner finalement ces éléments. Deuxième élément, donc quand j'avais fait ma thèse, je vais faire le parcours ici, mais c'est finalement, je m'inscris dans ce qu'on appelle une histoire de produit. Et là aussi, c'est peut-être un prétexte justement pour être obligé de se confronter au système. Se confronter à un produit plutôt qu'à une identité ou voilà, éléments qu'on peut isoler. Un produit, ben, nécessairement, il est produit. Donc il est produit à la fois par le producteur et il est produit par le consommateur qui va l'utiliser. Donc on est un peu tenu finalement jeter un coup d'œil sur les différentes étapes, selon ce qu'on peut faire ou pas, mais de ne pas oublier finalement ce système dans lequel on se situe au bout du compte. L'autre intérêt des histoires de produits, c'est qu'on fait quand même plus simple d'utiliser l'ensemble de tout le système alimentaire, qui est quelque chose de hors de portée. On prend un exemple, et donc c'est un regard. Donc, on va pouvoir effectivement prendre un point de vue sur des moments ou des éléments caractéristiques dans cet élément-là. Donc avant d'en venir à mon cas, je voulais juste citer quatre exemples qui, moi, personnellement, m'ont intéressé, et en tout cas sont très suggestifs. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est qu'ils viennent de chercheurs qui sont d'horizons très divers. Sidney Mills, qui, je pense, a marqué vraiment ces histoires-là, à l'origine, est plutôt anthropologue. Donc dans Sweetness and Power, il s'intéresse, je ne sais pas si vous avez vu ces éléments-là, si vous avez entendu parler, il s'intéresse effectivement à l'introduction du sucre, en particulier dans le bol alimentaire anglais, en montrant, en tout cas en refaisant toute la chaîne. Le sucre caractérise la consommation alimentaire des Anglais à partir du 18e et du 19e siècle. Derrière le sucre, évidemment, il y a l'esclavage, il y a l'exploitation esclavagiste. Évidemment, il faut effectivement faire l'effort de renouer ces différents éléments-là pour essayer de prendre la totalité effectivement de tous ces éléments. Michael Horowitz, qui vient aussi un peu plutôt de la business history, donc là on est sur d'autres thématiques à l'origine, sur ses travaux sur la viande, ou encore un travail qui a été reconnu, qui est plus classique dans sa facture parce qu'il est très centré sur les recettes, le travail de Ken Albala, Beans, sur la coke, for joke. Là aussi donne un regard sur l'humanité à partir des réponses, un point de vue assez intéressant. Voilà, si vous ne connaissez pas ces travaux, ils sont très accessibles, hein, c'est une lecture assez aisée, c'est assez intéressant. Voilà. Alors, les pâtes alimentaires maintenant, parce que je sais que en 40 minutes, si on veut tenir le temps et je compléterai après, je vais me concentrer en fait sur la demande et sur la consommation et la construction sur le durée de la consommation. Alors, c'est un produit, effectivement, qui présente plusieurs intérêts. Alors, je ne vous cacherai pas, en tant que chercheur, que c'est par hasard que j'ai travaillé sur ce produit. Évidemment, ce n'est jamais un hasard complet, parce que si j'ai décidé de consacrer un peu de temps de ma vie à cet élément, c'est quand même que ça m'intéressait. Mais voilà, après, la recherche, c'est souvent des opportunités. J'ai eu l'opportunité d'avoir des contacts avec des entreprises, qui m'ouvraient leurs archives, qui me donnaient la possibilité de voir un petit peu ce qu'elles faisaient. Et donc, évidemment, j'ai saisi aussi parce que j'étais intéressé. Et sans cet accès fortuit, je n'aurais jamais pu faire ce travail, en tout cas, tel que j'ai pu le concevoir. Alors, néanmoins, ce qu'on peut souligner sur ce produit, c'est un certain nombre d'éléments qui me paraissent intéressants. D'abord, rappelez, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un produit universel. Vous avez autour de vous des étudiants qui viennent d'horizons géographiques très, très divers. C'est une modalité de transformation des céréales que l'on retrouve dans pratiquement tous les pays qui ont une production de céréales. Pour aller là aussi vite, mais juste pour pointer, rappeler que la production du pain, en fait, dont on pense souvent qu'elle est le mode de consommation de céréales traditionnelles à côté de la nuit, est quelque chose de très complexe. La maîtrise de la qualité du pain, la panification, le fait de disposer d'un four, tout ça technologiquement est effectivement quelque chose d'assez complexe. À l'autre bout, l'utilisation de la bouillie, si vous avez déjà mangé de la bouillie, c'est quand même quelque chose qui est fatigant.
en termes alimentaires, on comprend qu'on cherche effectivement d'autres modalités de consommation des céréales. Et donc les pâtes, donc, ils vont être un entre deux, séchées, recuites, avec effectivement aussi une présentation différente, avec une tenue à la cuisson, il y a une forme, c'est pas juste un plat liquide épais. C'est assez intéressant. Deuxième, donc effectivement, c'est un aliment universel, donc on va trouver des formes variées un peu partout, donc en particulier en Europe. Et avant, effectivement, on ait ce qu'on va appeler les pâtes alimentaires sèches, on a effectivement des tas de formes qui existent depuis l'Antiquité, depuis qu'on a des sources sur ce type de produits. Ensuite, c'est un produit à partir duquel on peut s'intéresser aux dynamiques de la consommation des céréales. On sait que les céréales font partie, pour beaucoup de civilisations, vraiment de la base alimentaire. Et on sait aussi que les caractéristiques du XXe siècle, c'est le reflux finalement de cette consommation des céréales, avec une diversification pas forcément positive à tout point de vue, du bol alimentaire, l'introduction de la viande, et même des produits effectivement comme la consommation de légumes, enfin l'utilisation des légumes dans l'alimentation, n'est pas si évidente non plus à l'échelle historique. Et donc effectivement, derrière les variations et l'utilisation des pâtes, on a aussi l'utilisation des céréales, on a un marqueur aussi des changements dans l'alimentation. Troisième point qui me paraît tout à fait important, et c'est surtout celui-là, je pense, sur lequel il faut insister, c'est qu'en fait les pâtes, et là je pense déjà aux pâtes sèches, pâtes qui vont être les dures, elles ne sont pas, elles n'ont pratiquement jamais été un produit familial, un produit de fabrication domestique. Et donc ça permet de rappeler aussi que l'industrie alimentaire, contrairement effectivement à ce qui peut être dit encore de nombreuses synthèses, et je citerai là, sur ce point-là, je les gratinerai, j'ai lu dans la bibliographie le papier de Bruegel et Saunier sur le développement de l'industrie alimentaire dans le encyclopédie en italien, je sais pas si vous avez compris, bon, qui effectivement prend l'hypothèse d'une substitution, hein, les industries alimentaires se substituent à la production domestique. Non. Là, je pense que c'est vraiment un point, quand on regarde sur la longue durée, on ne peut pas effectivement résumer ça comme ça. De très nombreuses productions sont nécessairement des productions spécialisées depuis l'Antiquité. Et donc, par conséquent, les productions soit marchand pour l'essentiel de la population, soit quand on a cuisiné à domicile parce qu'on est en famille, voilà, il y a une cuisine spécifique qui produit ça. Donc, tout un ensemble de produits, la charcuterie, les transformations des viandes de façon générale, la pâtisserie, dans toutes ces dimensions-là, sont des produits artisanaux depuis pratiquement toujours, et en tout cas depuis l'époque médiévale. Et donc de la même façon, les produits pâtes alimentaires, ces transformations céréales-là, finalement, quelle transformation de céréales on peut faire à la maison, il n'y en a pas beaucoup, on est peu de moyens. Mais en tout cas, la production de pâtes sèches fait partie, en tout cas, de cet ensemble qui est là, effectivement, pour rappeler que, depuis très longtemps, une partie importante de l'alimentation urbaine est fondée sur des produits marchands transformés. Et ça, je pense que c'est un point important pour mettre en perspective la part des aliments transformés dans notre alimentation aujourd'hui, qu'il faut peut-être un petit peu relativiser par rapport à ça. Et puis, dernier point, ces pâtes alimentaires, comme elles sont universelles, comme effectivement on va trouver des formes très, très différentes, leur appropriation par les consommateurs, la façon dont elles sont utilisées, là pour le coup, nous indique aussi des éléments sur les spécificités culturelles. Et on va le voir, on pourra en discuter, parce que finalement, je n'ai pas tellement développé le côté italien, mais en tout cas, il y a un usage français, donc il faut voir s'il est quand même assez spécifique ou pas, et si justement, s'il s'ancre bien dans une culture spécifique. Donc tout ça pour vous dire que c'était quelque part, même si c'est par hasard, un produit idéal pour observer l'industrialisation de notre alimentation. Mesure, il y en a d'autres évidemment, mais je dirais voilà, c'est une bonne pioche de jeu de cartes. On peut effectivement à partir de là, je dirais, commencer à discuter un certain nombre de choses.
Alors, je vais vous donner quelques éléments. Je vais surtout insister sur deux types de sources, histoire d'illustrer un peu ce que je dis, parce que je ne peux pas non plus faire revenir sur tout. Les pâtes alimentaires. Pasta alimentaire en italien, une dénomination, il faut être très clair, c'est une dénomination qui n'est pas utilisée avant le 19e siècle. Et on va voir en particulier qu'elle est effectivement figée au niveau du commerce international qu'en 1907. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Et donc, au niveau méthodologique, ici, je renvoie à un point qui est très classique, hein, je n'ai rien inventé, qui consiste dans les usages à aller chercher effectivement au niveau lexicologique déjà ce qui se produit. Alors évidemment, les producteurs de dictionnaires ne connaissent pas la multiplicité des usages, et le fait qu'une terminologie ou un mot se retrouve dans un dictionnaire nous donne quand même une indication aussi grossière soit-elle sur le fait que le produit peut être connu, reconnu, si la définition finalement est claire ou si elle n'est pas claire. Et puis de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres sources pour se rendre compte. Donc il faut faire avec ça. Donc cette dénomination pâte alimentaire n'existe pas avant le 19e siècle. Ce qu'on va avoir en France, hein, ce qui est intéressant, je y reviendrai après, c'est la dénomination pâte simple ou pâte d'Italie. C'est là qu'il y a l'Italie, mais on va voir que c'est l'Italie qui va vite être transformée à la sauce de la cuisine française. Ce qu'on a antérieurement, c'est des choses un petit peu différentes. Alors, un des plus anciens ouvrages de cuisine, enfin, d'économie domestique médiévale qu'on connaît, qui s'appelle le Ménager de Paris, hein, que je vous ai mis le titre ici, qui date du XIVe siècle, hein, qui est un livre dans lequel un mari vieillissant, la différence d'âge visiblement est très importante avec sa jeune épouse, rédige des conseils sur la tenue de la maison, et donc il y a abondance de conseils sur comment faire la cuisine, comment tenir le foyer, en particulier de ce point de vue-là. Cite effectivement les losanges. On imagine que c'est une espèce de pâte étalée qui a été coupée en petits cubes. Voilà, c'est des choses qu'on va trouver un peu partout, d'un nom très original, mais c'est déjà présent, et qu'on va cuire dans un liquide. À la fin du Moyen-Âge, on a d'autres choses, on parlera des menudettes, ici, d'un certain nombre d'autres produits. En Alsace, on a les noules, qui vont donner les nouilles. En italien, c'est joli, ça existe aussi. C'est les nouilles, vous n'avez pas ça, parce que vous avez ça. Enfin, c'est pasta lourde, c'est des. C'est pasta lourde. Oui, c'est ça, mais vous avez une dénomination qui est plus complexe. Alors, les nouilles, c'est typiquement Europe du Nord, hein. C'est, enfin, Europe centrale, Allemagne, Alsace, donc l'est de la France. Et là aussi, on est de toute façon dans les productions domestiques. Hein. C'est de la farine classique qui est mélangée avec des œufs, puisque on va voir, le travail de la semoule est plus complexe et plus difficile à travailler. C'est pas quelque chose qu'on travaille comme ça facilement. On a une tradition en Provence, une tradition sur le bassin méditerranéen, avec un certain nombre d'éléments, les fidéis, voilà. Là, je dirais, quand on cherche un petit peu, un certain nombre d'éléments. Plus intéressant, quand on traduit en 1509 le platine, hein, qui est un grand classique de la cuisine, donc, et aussi l'introducteur de forme de cuisine italienne, dans le Nord, on n'utilise pas du tout, alors je ne vous ai pas repris italien, c'est dommage, la terminologie du platine. Il y a une terminologie propre, losant, creusé, menudette. Donc on n'a pas besoin, en tout cas on sent pas, on pense pouvoir traduire ces terminologies avec des termes qui sont des termes indigènes. On n'a pas besoin effectivement de recourir à une invention ou à utiliser ces différents éléments. Donc il existe en fait, hein, au moins depuis le Moyen-Âge, mais probablement depuis l'Antiquité, hein, une tradition de ce type de produit. Fabriqués à domicile avec le nom des œufs et qui ont généralement pour vocation d'être cuits dans un bouillon, enfin dans un liquide, et des consommations par contre qui ne sont pas forcément toujours connues. Alors pour venir sur les autres produits, il faut attendre effectivement le 17e siècle. Alors, là je parle en termes de dictionnaire, il y a peut-être des usages, on a sûrement avant.
pour voir apparaître des terminologies italiennes qui renvoient effectivement à des produits italiens. Donc, le macaroni apparaît chez Furtière en 1681, on voit aussi des choses chez Michelet. Et clairement, Furtière, c'est pas bien ce que c'est. Enfin, voilà, parce que quand on veut définir le macaroni, c'est mets dont les Italiens sont friands. Avec ça, on va pas très loin, comme on n'a jamais vu. Enfin, effectivement, ça renvoie à un usage précis. Enfin, là aussi, il y a des choses qui ont déjà été faites sur cette utilisation des éléments. Un ouvrage de cuisine du milieu du XVIIe siècle parle de pâtes de Gênes. Donc là aussi, cette tradition-là, qui sont des pâtes, on va voir, considérées comme plus fines et plus agréables à la consommation, sont données à l'époque. Et Richelet, à la même époque que Furtière, emploie le vermicelle, la vermicelle, qui voilà, vient de l'italien, clairement. Et puis, effectivement, il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est pas suffisamment clair, en tout cas, a priori, pour celui qui conçoit le dictionnaire. On a une discussion qui nous explique non seulement finalement comment il faut la fabriquer, mais également comment on la mange. Donc vous voyez qu'en plus là, on la mange finalement à sec avec du fromage, de l'oignon, du sel et du poivre de l'oignon. C'est pas du tout ce qui est pas spécial. Donc on a en fait clairement là quelque chose, je ne peux pas reprendre tous les exemples, mais une distinction qui va commencer à apparaître entre des pâtes simples et des pâtes composées. Ces pâtes composées, ça va être les pâtes aux œufs, donc ils vont plutôt envoyer une production domestique. Les pâtes simples, c'est plutôt effectivement ces produits-là, consonance italienne, qui en fait sont faussement simples, puisqu'il faut en général les acheter ou se les fournir dans le commerce. Mais en tout cas, c'est l'idée effectivement qu'il n'y a que la céréale et l'eau dedans. C'est des choses un peu précaires. Et puis à partir du 18e, on a un usage qui est suffisamment précis. On va utiliser une dénomination italienne, on parlait de pâtes d'Italie, mais on ne reverra pas la façon dont les Italiens l'utilisent. En tout cas, ça paraît plus nécessaire pour définir les produits. Alors, c'est des produits effectivement qui sont clairement connus, hein. Je ne peux pas tout reprendre, mais l'encyclopédie qui consacre de Diderot et d'Alembert, hein, du 18e siècle, qui consacre plusieurs pages. La question qu'on peut se poser maintenant, voilà, on voit que le 17e, 18e, en tout cas les milieux qui lisent les dictionnaires et qui les écrivent, savent autant, plus ou moins. Est-ce que pour autant on apprécie le produit ? La réponse est là aussi mitigée. Je prends cet exemple qui avait été cité par un Frondoin. Donc le père là-bas, un religieux très connu pour avoir abondamment voyagé en Italie et aussi aux Antilles, il a mangé de la soupe à la tortue. Qui parle de macaroni, donc qui rencontre en Italie. Et là, clairement, il y a une distinction. Le macaroni napolitain, hein, j'en vois les travaux de l'Église Céline sur l'émergence de ce produit, clairement, quelque chose de dégoûtant pour lui, qui est très difficile à consommer. La pâte de Gênes, bon, dont on voit effectivement, par contre, la pasta de Gênes en bas, dont on voit effectivement qu'elle est quand même plus que sophistiquée, cuite dans le lait d'amande, de la poudre de cannelle, des pistaches, des écorces de citron et des andouillettes, ce qui va beaucoup, enfin pas assez intéressant dans cette construction. Là, pour le coup, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce qu'on va voir apparaître, c'est que finalement, donc, ce produit connu, voilà, on sait très bien qu'il circule. Hein, est-ce que éventuellement je vous dis deux mots sur l'origine des pâtes en Italie ou c'est quelque chose qui est quand même connu? Oui, non, je ne sais pas. Bien. Bon, je refais juste le circuit de 30 secondes pour être sûr. Donc les pâtes d'Italie, les pâtes n'ont pas été introduites en Europe par Marco Polo, c'est une invention à mon avis des industriels américains dans l'entre-deux-guerres, c'est une autre histoire. Donc ces pâtes sèches, donc vous donnez une macaroni, je dirais que c'est ce que montrent Savant et Cervanti, et puis les travaux des spécialistes de l'histoire du Maghreb et du monde arabe sur la période médiévale, donc il y a bien une distinction. Là on parle des produits de conservation qui sont séchés et à base de produits. Visiblement c'est des produits qui viennent d'Égypte, hein, en tout cas des bassins du Nil, qui arrivent effectivement en Europe du Sud, à la suite de la conquête arabe, du Moyen Âge, voire arriver en Sicile de la même façon, et ce type de production s'implante à partir du 10e au 11e siècle, en tout cas, elle est
Caire sur la péninsule, et puis elle remontera à Naples, je vous renvoie sur les vidéos célèbres sur effectivement comment les Napolitains se sont mis à la fête, avec une spécificité qui est apportée, qui est double. Un, la capacité de production de céréales de la Sicile, le niablé de la Méditerranée à l'époque, et puis deuxièmement, le génie napolitain, en tout cas, qui contribue à développer des presses et des machines spécifiques pour produire ces différents produits. Donc font qu'effectivement, il y a une production dans le sud de l'Italie, et que cette production circule par les mers. Et donc les marins les connaissent. C'est un aliment effectivement qui peut être utilisé justement comme un aliment de conservation intéressant et donc qui va un petit peu partout. Donc on peut imaginer que des macaronis qui ont beaucoup voyagé, qui sont passés dans des soutes, qui ont séché à l'air libre, pas toujours de façon très correcte, est effectivement un goût qui ne soit pas toujours très intéressant pour un gourmet comme le père de la main. Au début du XVIIIe siècle, en fait, on va voir un changement en France d'appréciation et globalement, ces produits deviennent intéressants, en tout cas pour les élites qui écrivent sur l'alimentation. Deux points qu'on peut souligner. Là, on a deux traditions qui s'entrent, et je pense qu'en Italie, c'est pareil. Le vermicelle d'un côté et le macaroni de l'autre. Le vermicelle, j'en pense aujourd'hui, il y avait encore des choses à vous montrer autour de ça, s'ancre en fait dans la cuisine parisienne, à mon sens, au milieu du XVIIIe siècle, en même temps que ce qu'on a appelé l'invention du restaurant. Je rappelle que le restaurant, en tout cas, il y a une tradition qui rapporte cet usage alimentaire à Paris. Le restaurant donc est d'abord défini comme étant un bouillon d'ordre de viande, qui est assez complexe hein, quand on regarde les recettes. D'abord, il y a une grande quantité de viande de bœuf qui est utilisée pour le faire, à un moment où en plus la viande de bœuf n'a pas forcément d'usage très, très courante. Il a des vertus diététiques qui sont reconnues et mises en avant. C'est une nourriture qu'on mange sur le pouce, enfin, en tout cas on peut manger de façon rapide. Enfin, il y a toujours, dans les bouillons restaurants, on sert à toute heure, contrairement aux autres endroits où on peut se nourrir dans la ville. Et effectivement, ce que va permettre le bouillon, donc, c'est de pouvoir avoir cette consommation chaude à toute heure de la journée, facilement, dans un espace urbain. Je vous rappelle qu'à l'époque, Paris, étant en lutte plus ou moins avec Londres, pourrait être la première ville d'Europe, mais aussi dans un contexte assez particulier. Donc il y a une culture urbaine de la manger dans la ville qui va faire appel effectivement à de nouvelles pratiques. Le bouillon en fait partie. Et parallèlement, l'autre élément, c'est que à Paris également, il y a une amélioration très nette du pain qu'on consommait, grâce au système logistique qui est en place. Je vous renvoie aux travaux de Steven Kaplan. Et dans une certaine mesure, le pain qu'on mange à Paris, il n'est plus nécessaire de le tremper dans la soupe. L'alimentation traditionnelle, c'est effectivement tremper le pain dans la soupe. Mais pourquoi on trempe le pain dans la soupe? Parce qu'il est immangeable, il n'est pas trempé, tout simplement, il est trop dur. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc d'un côté, on a une population urbaine qui accède au pain blanc, donc il n'est plus nécessaire de manger un fou. Et d'un autre côté, on a un bouillon dont les médecins nous expliquent que oui, il nourrit, mais enfin, très honnêtement, nourrissez-vous uniquement du bouillon de bœuf, vous pouvez être assis. Donc on peut comprendre, en tout cas, on voit un marché se développer, que l'on demande des produits à rajouter dans le bouillon, mais qui ne soient pas la soupe paysanne, qui conserve la clarté justement à ce produit-là, tout en étant relativement nutritif. On va dire ça assez rapidement. Et c'est de la même façon que la consommation de riz, la consommation d'un certain nombre d'autres éléments qu'on ajoute dans le bouillon, va se développer très fortement. Voilà, donc on a effectivement, je dirais, une demande spécifiquement urbaine, qui est associée à un nouveau mode de consommation alimentaire urbain, qui touche plutôt les classes aisées, mais pas seulement. Bouillon restaurant, on va donner les restaurants tels qu'on les connaît, qui sont d'abord des éléments de luxe, mais il y a aussi des échoppes plus simples par lesquelles on peut consommer des choses moins sophistiquées, moins grandes de décorum. Et donc, évidemment, autour de. Ça va très évident de constater que les premiers fabricants de vermicelle à Paris vont être dans les quartiers de restauration. En tout cas, c'est pas plus que ça, on n'a pas de source, mais en tout cas, la proximité vient renforcer cette hypothèse-là.
Je termine là-dessus, je vous rappelle également que ce bouillon, c'est en fait la base de ce qu'on appelle la cuisine à la française. Puisque c'est à partir de ce bouillon de bœuf et de la construction qu'on fait ensuite les sauces. Et à partir de ces sauces, effectivement, se développe au 19e siècle toute la cuisine française. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, voilà. Là, on a une bifurcation culinaire qui est tout à fait importante. Autre élément, le macaroni. Là, je pense effectivement qu'on est plus en phase peut-être avec une tradition italienne, mais en tout cas, il y a un usage à Paris qui se développe à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est le pâté de macaroni. Là aussi, même type d'usage. Il s'agit de quelque chose qu'on achète chez les pâtissiers, donc qui ont un four pour cuire, quelque chose qui n'est pas du tout répandu dans la population, voire même interdit, hein, pour des questions de contrôle des incendies. On achète des pâtés de macaroni à consommer debout. Voilà. Et on a des inscriptions, dont en particulier donc, Alexandre Dumas, donc, je pense un siècle après, qui était Balzac également, qui a une description, qui était fanatique de ce type de produit, qu'on achète effectivement, et qui est une alternative donc, au pâté de charcuterie, bon, qui lui finalement est peut-être plus lourd à digérer, est un produit plus neutre, et il faut imaginer des petites timbales voilà, qu'on achète à emporter ou à manger sur le pouce. En passant chez le pâtissier, quand il en a, il vient de sortir du four. Et là, par contre, on a des préparations qui peuvent être extrêmement complexes, avec des trucs, c'est assez banal à l'époque, mais qui sont des vraies préparations culinaires. Ça peut se faire un gâteau, de la façon dont ces éléments-là se mettent en place. Voilà, donc on a, pour résumer, donc, au XVIIIe siècle, véritablement, je dirais, un changement de point de vue, qui utilise prioritairement des produits type italien, parce que ce soit pour faire des pâtes en gratin, macaroni, ou que ce soit pour faire des bouillons de vermicelle, on a besoin de caractéristiques techniques de la pâte qui tiennent à la cuisson. Donc on ne peut pas utiliser les pâtes domestiques pour faire ça, ça ne fonctionne pas, en tout cas ça ne donne pas un résultat satisfaisant. Mais par contre, là je ne peux pas vous en dire plus, la recherche se passe à faire, puisque ma connaissance, il n'y a pas encore d'historien de la pâte en Italie. Il y a des choses fragmentaires, mais sur ces choses-là, voilà, ce que j'avais lu il y a une dizaine d'années ne permettait pas de conclure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, il y a une utilisation particulière qui se développe et qui est vraiment propre à l'espace urbain et à la façon dont dans la ville, finalement, il faut se rappeler, imaginez qu'une grande partie de la population n'a pas accès à des cuisines de façon épisodique. Et donc, une partie importante de l'alimentation au jour le jour est achetée et consommée sur place ou dans la rue. Et donc là, on est sur d'autres produits, mais on est sur un type de produit qui remplit ces éléments. Alors, au XIXe siècle, les historiens économistes que je suis, je dirais, poussent un peu de soulagement. On a enfin des statistiques et des données et des choses comme ça. Alors, ce sont évidemment de qualité très, très variable. On a la chance en France, je pense qu'en Italie c'est pareil, parce que du coup il y a une inspiration méthodologique qui a été un peu similaire dans les années 50 et 60. Tout un travail de reconstitution statistique, au moins jusqu'au début du 19e siècle, qui nous permet d'avoir une évaluation de la consommation d'un certain nombre de produits, de la production de la consommation d'un certain nombre de produits. Et voici ce que l'on a effectivement pour la consommation de pâtes. Donc ça c'est les volumes, l'estimation des volumes produits. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller effectivement voir ce que ça peut donner par tête, sachant qu'ici, il faut avoir 2 minutes de discussion. Bon, vous voyez qu'on n'est pas sur des consommations très importantes. Hein. Au milieu du 19e siècle, on serait en moyenne autour de 1 kg par tête sur l'ensemble de la population française. On voit aussi, et je vais te montrer rapidement, qu'il y a une tendance à l'augmentation de cette consommation avec un vrai décrochage autour de la Première Guerre mondiale en apparence. Là, clairement, il y aura quelque chose à expliquer pour rendre compte de cette variation suffisamment importante pour dépasser les limites de l'estimation qu'on a ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de raisonner, alors je vous ai parmi les calculs, si on ramenait cette consommation moyenne sur toute la population, uniquement à la population des grandes villes. Et alors là, on constate, en fait j'ai constaté qu'effectivement on est sur des niveaux de consommation de 6 à 7 kg au milieu du 19e siècle qui sont très similaires à ce qu'on a aujourd'hui.
en tirer des conclusions immédiates. Mais en tout cas, on peut faire l'hypothèse que probablement, dans les espaces urbains, en particulier sur Paris, Lyon, Marseille, les grandes villes, on a probablement une consommation de ce type de produit qui, finalement, ne va plus trop bouger en moyenne dans l'espace de la population. Et que, par la suite, effectivement, l'augmentation de la consommation qu'on voit dans le pays touche une diffusion, c'est-à-dire une convergence territoriale. L'ensemble de la population va progressivement utiliser les mêmes éléments que, en tout cas, le même type de consommation que dans l'espace urbain. Alors, dans l'espace urbain, là aussi, ce qu'on peut faire au XIXe siècle, parce qu'on a des enquêtes sociales qui démarrent, on commence à avoir des travaux sur la dépense des ménages en matière de consommation en particulier, et en particulier les cas de l'école de Frédéric Le Play, entre 1850 et 1930, on a un certain nombre de cas à l'échelle de la planète, mais en particulier 68 cas pour la France, sur la deuxième moitié du 19e siècle. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on a là des enquêtes qui sont spécifiquement menées sur des familles ouvrières ou paysannes, qui sont choisies comme étant censées être emblématiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, elles existent. Et surtout, qui nous donnent un descriptif de leur mode de vie, qui est très biaisé par la vision de l'époque, mais qui donne quand même des informations, et un bilan chiffré de leur budget de dépenses avec un grand détail sur chaque type de produit qui est soit acheté, soit produit par soi-même. L'autoconsommation est aussi prise en considération. C'est une source en fait qui est très difficile d'utiliser parce qu'elle est complètement éclatée, il n'y a pas de représentativité d'échantillons, c'est compliqué. Il n'empêche que, effectivement, depuis une quinzaine d'années, on l'utilise plus, justement en particulier autour de l'histoire de l'alimentation. On peut faire apparaître, quand on croise avec d'autres choses, des stratégies de consommation alimentaire. Donc, je suis en partie inspiré des travaux d'une collègue sociologue pour effectivement essayer de voir comment ces produits pouvaient être l'utilisation ou pas des pâtes, s'inscrire dans quel type d'alimentation populaire et si effectivement il y avait des caractéristiques particulières des consommateurs, des non-consommateurs, des Parisiens par rapport aux autres éléments. Il n'y a que 68 cas, enfin il y a quand même 68 cas, et donc on peut voir un certain nombre de choses. Alors pour aller rapidement sur la conclusion, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ça, eh bien, ça permet de discuter de l'hypothèse classique d'une diffusion top-bottom. L'idée que les élites inventent un modèle de consommation qui se diffuse par capillarité. C'est plus compliqué. Alors, ce top-bottom existe, il ne s'agit pas de dire qu'il n'intervient pas, et on a un très beau cas sur une famille de fabricants de boîtes en fer blanc à Aix-les-Bains, en Savoie, qui explique, enfin, dans lequel on voit bien comment l'épouse qui a été domestique de maison bourgeoise à Paris a appris à faire la cuisine et donc a gardé un certain nombre d'habitudes qu'elle a redimensionnées par rapport aux moyens de son ménage pour effectivement finalement avoir une alimentation qui est beaucoup plus sophistiquée que la moyenne. Donc la domesticité représente jusqu'à 10% de la population active en France au 19e siècle, donc c'est évidemment un moment de capillarité important entre des pratiques alimentaires. Qui n'est pas négligeable. Pour le reste, on voit effectivement des usages qui sont très différents, c'est-à-dire des stratégies. Les ménages populaires ne sont pas justement, ne sont pas dominés culturellement. Je suis partie de ceux qui critiquent, c'est d'ailleurs ça, les approches de Bourdieu. J'aime beaucoup par ailleurs, sur ce point-là, il y a de quoi discuter, le sociologue français Pierre Bourdieu. On a effectivement une diversité des modes de consommation qui apparaît. En tout cas, si on veut prendre la peine, on peut essayer de voir ce qui se met en place. Alors, je vais peut-être donner deux ou trois exemples quand même pour calmer un peu le mouvement et vous dire ce qu'il en est. On a, par exemple, si je le trouve, on a une famille, par exemple, dans laquelle on va consommer des pâtes, donc l'épouse travaille. Je crois qu'elle fait bottines, si je la retrouve, son mari aussi, ils ont des revenus, ils ont un poil, ils ont la capacité de faire les choses à la maison, et l'enjeu, là, c'est de gagner du temps. Donc parmi les éléments qu'on utilise, le vermicelle est intéressant, il faut quelques vingtaines de minutes pour que ça cuise. Pareil, quand elle achète de la viande, elle achète des côtelettes.
pas du bouillon de bœuf bourgeois, je suppose d'avoir une cuisinière à plantes. Donc il y a des stratégies ici qui peuvent être des stratégies d'optimisation du temps nécessaire pour faire la cuisine parce qu'on s'intéresse à d'autres choses. C'est ce que j'appelle ici l'effet Industrial Revolution. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, toute cette idée. C'est un historien de l'économie et de la culture économique hollandais, qui s'appelle Jan de Vries, qui, étudiant la culture hollandaise du 15e, 17e siècle, montre comment une partie de l'émergence du capitalisme, en tout cas du travail industriel, résulte du fait que dans les familles, on fait le choix de ne plus produire soi-même. On se spécialise, on vend sa production et on achète ce qui est nécessaire et au final on s'en trouve mieux. En tout cas en Hollande, au 16e, 17e siècle, ça marche. Voilà, donc on a typiquement une industrialisation de l'alimentation dont il faut rappeler déjà à cette époque-là quelques résultats de choix à l'intérieur de la famille, le temps passé à faire la cuisine, le type d'aliments qu'on utilise, combien de fois on va faire les courses, tout ça déjà, même si on est chez des gens qui ont très peu de moyens, ce sont des stratégies qu'on va voir apparaître. Autre élément que j'ai en tête dans ces cas-là, une famille de paysans de la région de Marseille qui est à la campagne. Le mari travaille dans les savonneries à Marseille, il est absent pratiquement 2 mois par an. Mais dans le ménage, effectivement, tout le monde travaille. On voit bien que l'objectif, c'est d'acheter des terres, d'accumuler de l'argent. Et donc, il y a des choses qu'on produit à la maison, le pain, par exemple, parce que ça, c'est quotidien, etc. Mais les pâtes qui sont consommées chez eux à hauteur de 30 kg par an, on est presque sur une consommation italienne aujourd'hui, elles sont achetées. Voilà, donc il y a des arbitrages qui sont faits, qui sont liés au temps passé et qu'on voit apparaître. Autre modèle, parmi les plus modestes des chiffonniers parisiens, on va avoir une consommation de macaroni. On a vu que le macaroni, c'était, voilà, on imagine qu'il n'y aura pas de truffe dedans, ni de foie gras, mais effectivement, ça renvoie plutôt à un imaginaire de produit qui est rempli de ventre, qui a un caractère festif, quand on voit ce qu'on mange par ailleurs. Effectivement, c'est le moment de se faire plaisir 3 ou 4 fois dans l'année en effectivement ayant une consommation. Ils consomment pratiquement en macaroni un quart de ce qu'ils dépensent en viande dans l'année. Donc on a effectivement, je dirais, une diversification effectivement de ces éléments-là qui montre bien qu'on a des éléments de réappropriation des produits avec des usages qui sont spécifiques. Alors là, par contre, il faut des enquêtes complémentaires pour essayer de voir les choses. Et donc des relèves de stratégies populaires différentes. Dernier point pour le 19e, quand on parle de culture populaire, on n'est jamais très loin de normes sociales, de volonté de contrôle social. Et en particulier dans la deuxième moitié du 19e siècle, autour de l'alimentation populaire, on a effectivement tout un mouvement, des mouvements en fait, parce qu'ils ne sont pas uniques, qui vont contribuer à faire en sorte, en tout cas à ancrer l'idée selon laquelle les pâtes sont un aliment pour le peuple. Alors, une des questions sur lesquelles j'étais parti au tout début de mes études, c'était de savoir mais pourquoi est-ce que les pâtes, revenant d'Italie, c'est un aliment noble, en tout cas intéressant, pourquoi est-ce qu'en France, elles ont effectivement une image d'aliment très populaire. C'est en particulier le cas dans les années 60. Donc depuis j'ai vu pourquoi, parce que dans les années 60, ce sont les agriculteurs et les ouvriers très modestes qui ont la plus haute consommation de pâtes en France. On est de l'ordre de 10 kg par an, ce n'est pas non plus le ralliement principal mondial. Donc il y a une image qui a été collée dans les années 1960, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité historique, qui est évidemment tout à fait changeante. Par contre, ce qui est vrai, ce que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement, on définit ce que devrait être une alimentation populaire au tournant du XXe siècle, autour de 1900, et qu'évidemment ceci contribue à structurer l'imaginaire que l'on a dans les produits. Alors, qu'est-ce qui va dans ce sens-là? Simplement, je vous rappelle que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on commence véritablement à comprendre comment fonctionne la digestion. Les formes modernes et contemporaines de la nutrition se mettent en place. Depuis le XVIIIe siècle, on sait que ce que c'est que le gluten, et on commence à voir que justement le blé dur
une composante élevée en gluten, ça a des caractéristiques nutritionnelles intéressantes. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, qu'on fait un certain nombre de recherches, il apparaît, en tout cas c'est en France, je vous dirais si en Italie c'est le cas, l'idée selon laquelle les pâtes peuvent être substituées à la viande. Et donc là, je parle bien de viande animale, pas viande aliment au sens général. Ça pointe aussi une autre chose, c'est-à-dire que les logiques générales qu'on a sur les substitutions de produits, il faut toujours être attentif, bien vérifier qu'elles correspondent à un moment culturel et historique précis, parce qu'elles varient au cours du temps. Donc, substituer pâte et viande, c'est en tout cas ce qui germe dans l'idée d'un certain nombre de scientifiques dans la deuxième moitié du 19e siècle en France. Où est-ce que ça va être intéressant? Ça va être intéressant pour l'armée. Après 1870, qui est une défaite française face à la Prusse, on va mettre en place un service militaire avec une conscription. Tous les jeunes gens sont censés passer d'abord 3 ans dans le service militaire, donc il faut les nourrir. Donc il faut se préoccuper de façon beaucoup plus systématique de savoir comment on va fournir une alimentation. Et puis l'autre chose également qu'on constate, c'est que l'alimentation des troupes n'est pas efficace. On pense d'ailleurs qu'une des raisons de la défaite, c'est qu'on n'a pas réussi à maintenir des troupes bien alimentées. Donc il y a une vraie réflexion sur l'alimentation des troupes. Et donc, on cherche les aliments les plus efficaces, ce qui est assez logique, et parmi ceux-là, les pâtes. Par contre, ça ne marchera pas. On n'arrivera pas à l'implanter dans l'esprit des militaires, mais la conséquence que ça va avoir, et si j'en viens à la rupture de tendance qu'on voit avec la Première Guerre mondiale, c'est que ça sera considéré comme un aliment stratégique, et donc que ça fera partie des aliments qu'on surveille pendant la guerre, qu'on veut avoir des stocks, et qui vont être rationnés. Et donc, quand bien même les gens n'ont pas l'habitude d'en consommer, ils vont recevoir des bons pour acheter des pâtes. Et donc, ils vont en demander. C'est une des explications de cette rupture en 1914-18. Donc, il y a toute une structure d'arguments qui aboutit effectivement à construire ça. Les hygiénistes également, qui se préoccupent à la fin du 19e siècle de la santé du peuple, jouent effectivement un rôle tout à fait majeur. Et je passe rapidement, on a en France, je pense qu'en Italie il y a des choses similaires, c'est des réseaux internationaux à l'époque, ce qu'on appelle la Société d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle, la SHAAR. Cette association qui est tenue par des médecins se donne pour ambition de réformer l'alimentation du peuple. L'argument étant le peuple mange mal, donc le peuple est malade, donc le peuple aussi aura du mal à faire les armes, c'est et donc il faut, on va faire une promotion d'une éducation alimentaire populaire, nouvelle, qui va effectivement aller dans le bon sens des nouveaux préceptes nutritionnels. Je passe rapidement, évidemment les pâtes font partie des produits qui sont mis en avant et dont on déplore qu'ils sont trop peu consommés et qu'il faudrait au contraire les consommer plus. Alors évidemment ça ne va pas susciter directement des achats, par contre, on peut imaginer, c'est des choses à voir, que dans les cantines, que dans le milieu scolaire, qu'au milieu hospitalier, ce type d'argument-là soit effectivement ait un impact et qu'on se mette effectivement à avoir plus d'éléments. Et puis l'autre chose qu'on voit effectivement, c'est que dans les cours d'économie domestique, qui sont un des troisièmes éléments dans lesquels on restructure un peu la réflexion collective populaire sur comment on l'a construit au début du 19e siècle, du 20e siècle, eh bien ça fait partie des éléments sur lesquels on insiste. Et donc on souligne qu'ils ont de l'intérêt. Voilà, alors c'est une construction. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que la rupture de 14-18 est peut-être en partie liée à ça. Elle est sûrement liée beaucoup plus, là aussi c'est des choses sur lesquelles il faudrait faire des recherches, aux problèmes rencontrés par les femmes qui se retrouvent seules dans de nombreux foyers parce que leurs maris sont partis au front. Et c'est un point que je tire d'un auteur américain qui s'appelle Coleman, qui a étudié de façon assez intéressante le fait, son livre s'appelle More Work for Mothers, elle montre comment effectivement toutes les innovations qui sont destinées à améliorer le travail domestique ont en fait augmenté la charge de travail des épouses. Voilà, l'argument étant le suivant, c'est-à-dire rappeler que finalement toutes les améliorations culinaires, techniques,
les fours, les benzinières, les poêles. Bah, le premier intérêt d'avoir un four à charbon ou ensuite à gaz, c'est quoi? Bah, c'est que le mari n'a plus à aller couper du bois. Et donc lui est libéré, c'est-à-dire que l'image du mari qui lit son journal là, parce qu'il ne fait plus la cuisine, c'est pas qu'il y a un redimensionnement des rôles nécessairement, mais c'est qu'effectivement, il est libéré, c'est le mari qui est libéré par les nouvelles technologies culinaires. Pourquoi j'en viens là? Parce qu'effectivement, en 14-18, on peut imaginer effectivement que dans de nombreux foyers, une partie effectivement du travail domestique qui était plutôt du chauffage, etc., par les coups, n'est plus assuré. Et donc il faut simplifier l'alimentation. Et effectivement, les pâtes font partie par rapport à d'autres types d'éléments sur de préparation qui, à ce moment-là, peuvent être intéressants. Voilà. Alors, pour avancer sur les arguments, est-ce que les industriels qui vendent des pâtes ont conscience de tout ça? Quand on voit les publicités de la fin du 19e siècle, on voit bien qu'on ne vend pas des pâtes pour les couches populaires. Elles sont là. Donc ça, c'est des publicités autour de 1896-1900, la marque dominante à l'époque en France, qui est Vivre avec l'arrêt. Bon, les pâtes, on vend ça à des enfants, enfin en tout cas, voilà, ça pourrait être enfant, on vend ça à des enfants, ou un ménage bourgeois qui mange au restaurant, donc on imagine qu'il va commander un potage au vermicelle, et comme le monsieur mange du potage au vermicelle habituellement, ben, il n'a pas du tout les attributs du gros mangeur, il a l'air plutôt en bonne santé. Là aussi, une publicité étonnante, j'ai le nom d'un graphiste très connu en France d'origine italienne, qui est un des grands graphistes de la publicité d'avant 1914. Voilà, pour vendre des macaronis, on a des bourgeois qui plus ou moins dansent dans l'arbre. C'est un peu étonnant avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui. Ou encore, effectivement, on imagine la discussion tout à fait intéressante entre la femme de maison et sa domestique sur le type de marque, je ne sais pas si vous voyez, qui lui ramène un paquet de pâtes. C'est effectivement, on est très loin des usages, on est très loin des modes d'achat, on est très loin des types de produits. C'est pas du tout l'imaginaire qui est développé. Je n'ai pas le temps de développer, je ne vais pas faire la partie de la production. C'est pas étonnant parce que les producteurs cherchent à vendre du premium, des prix élevés, à une clientèle qu'ils espèrent être la plus riche possible. Mais voilà, donc c'est on est très loin de tout ça. Alors après, au XXe siècle, je vais terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on constate? En fait, il y a une convergence effectivement des formes de consommation, cet effet de diffusion, mais je rappelle qu'il est probablement complexe. C'est-à-dire que quand on prend les statistiques, et moi je suis économiste, donc, quand on prend les statistiques, on imagine comment ça a pu se dérouler. En général, c'est faux. C'est toujours beaucoup plus compliqué, c'est pour ça qu'il nous faut l'histoire culturelle pour essayer de comprendre quelles sont les multiples possibilités par lesquelles l'évolution statistique a pu se produire. Dans les années 50, on voit effectivement le début en France, mais je sais qu'en Italie c'est pareil, un déclin de l'utilisation des céréales, l'augmentation de la consommation de viande, plus antérieure en France par rapport à l'Italie, et le développement de la consommation de légumes et d'autres produits qui viennent enrichir ces choses-là. Donc effectivement, on a, voilà la production, l'évolution de la consommation par tête en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez qu'entre les années 50 et les années 1980, c'est dispersé, c'est un peu disparate, mais voilà, on tourne autour de 6 kg. Et il y a une nouvelle rupture qui se produit dans les années 80, c'est au moment où les marques italiennes en fait entrent sur le marché français de façon significative. Alors, donc, pour revenir ici, donc, en fait, je pense qu'on a une très grande stabilité des usages. Ces produits se diffusent selon des voies multiples qui sont complexes. Par contre, le potage de vermicelle d'un côté, et d'autre part, le gratin de macaroni ou sa seconde forme, typiquement française, l'utilisation typiquement française qui est l'utilisation des pâtes comme un accompagnement, un contorno, tout à fait étrange ici, ne bouge pas en fait. On n'arrive pas à faire varier cette consommation qui est ancrée depuis maintenant plus d'un siècle et demi et qui se transmet finalement. Alors, on le voit en fait dans les publicités. Là, pour le coup, quand les publicitaires après 1920, avant, on ne met pas en scène le produit. En tout cas, son utilisation n'est jamais mise en scène. À partir de 1920, on commence à rentrer dans les règles publicitaires à l'américaine avec une réflexion
sont différents. Et donc, on essaye de, aussi d'inciter hein, l'utilisation. On trouve ce qu'on peut en faire avant. On s'adresse à une population bourgeoise qui sait ce qu'elle fait. Donc, on ne va pas lui dire ce qu'elle doit faire. Alors, plusieurs choses. Donc, ici, là, c'est. Je ferai un petit commentaire après. Les pâtes, vous voyez, elles se mangent seules. Hein, si je vais voir ce qui est bien avant. Quand c'est pour les enfants, voilà, c'est la représentation qu'on a. Une soupière, odeur, rien dedans, enfin, pas de sauce, pas d'éléments. Voilà. C'est comme ça qu'on ne joue pas. Donc on a souvent un aliment pour enfants encore vieillard, tout dedans, qui n'en a pas encore. Mais évidemment, qui a quand même un intérêt tout de même. Ou dans les résultats, on francise aussi le produit. Le verre à carré, qui est leader du marché. En fait, toute une campagne de publicité pour montrer que le macaroni brunage est encore attaché à la zaloni, le napolitain qui mange très bien son macaroni, c'est fini. La modernité, c'est comme les cheveux courts, c'est les pattes courtes, pour les femmes en particulier, si la coiffure est importante aussi, donc on coupe le macaroni en morceaux, ce qui nous dit qu'on mange de façon compliquée. Voilà. Et puis ça va contribuer à son village. Mais déjà, les choses là ne changent pas. Dans les années 50, il y a vu que la consommation stagne, les publicitaires et les industriels essaient de pousser de nouvelles utilisations. Donc il faut effectivement donner des arguments pour manger des pâtes, mais la consommation globalement stagne. Effectivement, il y aura tout l'argument effectivement de la libération de la femme. Alors là, c'est un peu précoce. Le titre est encore défaisage avec la réalité du mouvement, mais. Voilà, dès les années 50, c'est, on va vous simplifier la vie, alors c'est plutôt en effet la rationalisation de la cuisine qui s'enjoue. Dans les années 50, on va commencer à proposer des sauces. Alors là aussi, c'est le début de la chose. Quand vous avez effectivement, sur lequel j'avais plus particulièrement travaillé, là, on met aussi en avant de nouveaux formats. C'est pas nouveau, mais on va plus insister sur le fait qu'il n'y a pas que les macaronis, il n'y a pas que les vermicelles, on peut aussi faire autre chose. Et puis là aussi, typiquement, on a une chose sur les deux tableaux. À gauche, vous avez l'utilisation classique en compteur de plat de viande. Et en même temps, le même producteur essaye de vendre la nouvelle image, alors qui vient des États-Unis, en fait, c'est pas qu'à dire. C'est le plat complet, voilà, et l'intérêt pour le producteur, c'est qu'on vend un kit. Là, on est à la fin des années 50. Autre tentative, autour de 1960, en avant bien, on a vu que les Italiens, c'est vraiment au centre des pâtes comme primordial. Là aussi, je ne suis pas tout à fait au clair sur la chronologie de la structuration du premier moment de pain en Italie, qui est différent de la France, des types de pâtes qu'on a. Donc on a en France, en 1960, l'idée des pâtes primordial. Ça n'a jamais existé, enfin je veux dire, c'est pas. Donc c'est juste pour vous dire effectivement qu'on a des tentatives, effectivement il y a des prescripteurs qui essaient de les faire bouger. Mais la consommation ne bouge pas. Alors, elle va bouger, en fait, à la marge, elle bouge. Il y a des gens, effectivement, qui testent, qui essayent des choses dans les milieux urbains. Panzani, qui typiquement retravaille l'image italienne des produits dans les années 50, qui est une marque purement française, joue effectivement sur son italianité, la met d'ailleurs en avant dans ses publicités, mais est d'abord vendue dans les marchés urbains. Qu'est-ce qu'il va acheter les pâtes Panzani avec des sauces tomates? C'est des jeunes urbains parisiens qui, par ailleurs, achètent de la confection milanaise. Donc, voilà, qui vont en vacances en Italie l'été. Enfin, c'est un milieu par rapport à l'ensemble du marché, ça reste une frange. Ça reste très limité. Les choses ont en fait changé après, à partir des années 70-80, là je vais très vite. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, effectivement, mais c'est vrai qu'à l'échelle historique, c'est les dernières 30 années. Et si on pense aux autres produits, j'ai étudié que les pâtes, un certain nombre d'éléments, mais permet de penser que ce que je vous vois là sur les rythmes de changement vaut pour les autres produits, avec effectivement une nouvelle accélération. Cette accélération est liée finalement à une ouverture à un nouveau type de consommation. Donc là aussi, je ne sais pas si, jusqu'où ça s'est ancré ici, mais par exemple en France, la salade de pâtes est devenue, je l'ai aussi, quelque chose assez courant à partir des années 180. On utilise plus de variétés. La maison avec des sauces qu'on achète aussi là commence véritablement à s'ancrer dans les usages. C'est plus uniquement quelque chose de ponctuel.
Donc il y a effectivement ça, et l'arrivée effectivement des marques italiennes joue un rôle majeur. Alors, pour conclure là-dessus, est-ce que le changement est si dramatique? Alors, si on reprend, je prends ici la consommation des pâtes par format, là aussi c'est un indicateur intéressant, en 2004, eh bien, on constate que les macaronis représentent encore 12%. Personnellement, je ne l'ai jamais consommé, donc il y a quand même 12% des consommateurs qu'on consomme en France. Les coquillettes, c'est-à-dire les petits accompagnements, 15%. Les spaghettis, qui en fait sont un usage souvent assez alternatif, les torsades, les tortillas aussi. Finalement, on a pratiquement 40% de l'utilisation qui correspond à l'utilisation traditionnelle. Ce qui a disparu, c'est le potage au vermicelle, parce que de façon globale, le potage a influé des habitudes culinaires en France et la structuration du repas fait qu'on ne fait plus de potage aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des soupes de légumes. Mais on ne fait plus de potage. Et ça, effectivement, donc, déjà, il y a un changement, mais il n'est pas total. Et l'ancrage des utilisations italiennes, elle est dans la diversité française. On peut trouver des spaghettis à la tomate, et parmesan, un peu partout. Et l'utilisation et l'accompagnement à l'odeur reste encore, ne serait-ce que dans les cantines scolaires, reste un basique. Donc, c'est quelque chose à contrepoint. Donc, tout ça pour dire que les changements restent quand même limités. Je dirais la construction globale de ces habitudes reste finalement très stable. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? La question que ça pose, c'est effectivement quand on est dans le domaine culturel et qu'on est sur les structures de représentation, d'image, etc., bah, il faut faire quand même l'effort quand on peut de descendre sur les pratiques parce que le déphasage entre les deux peut être en général assez important et il mérite en tout cas d'être discuté. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui portent effectivement vers certaines représentations qui, sur la longue durée, contribuent à structurer des changements. L'éducation ménagère, on a commencé à mon sens à avoir de l'efficacité au bout de deux générations. Ça, c'est un autre thème sur lequel je travaillerai par la suite. Voilà. Dans les milieux populaires, on apprend à faire des éléments de cuisine à partir du début du XXe siècle dans le cadre de l'éducation ménagère, mais ils ne sont mis en place qu'à partir des années 60 pour des questions de revenus, d'équipement, d'habitude et de fonctionnement des ménages. Donc, c'est des changements qui sont lents. Et qui mérite effectivement qu'on voit les choses là-dessus un petit peu précisément. Voilà, c'était un petit peu là-dessus que je vais conclure, je m'arrêterai sur cette partie-là. Comment changent finalement les comportements et comment un produit? Alors, on voit bien que c'est un produit en fait qui a changé de forme, en fait, produit sur la très longue durée connue, usage varié. La forme dite italienne, qui est en fait un type de produit qui permet d'inventer des nouveaux usages, qui s'ancrent là aussi sur la longue durée, et qui n'évolue que très progressivement à mesure du changement global dans les formes de consommation, la structure du repas, l'urbanisation, etc. Donc c'est là finalement que l'histoire de l'alimentation est intéressante, je pense, c'est parce qu'en fait, on retravaille l'histoire sociale dans son ensemble, par un petit bout, mais qui tire finalement beaucoup de fil à partir finalement de l'espace domestique, dont il ne faut pas oublier que c'est quand même la base de l'organisation sociale. Donc à partir de là, on peut voir d'autres choses. Les discours de justification, donc il y a effectivement ceux des vendeurs. Donc j'ai dit effectivement qu'ils étaient peu efficaces, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement inefficaces. Ce que je veux souligner, c'est juste deux choses. C'est d'abord que ces discours de justification de la publicité n'est qu'un discours parmi d'autres. On voit bien aujourd'hui la compétition entre les nutritionnistes, les publicitaires, les... Et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est des choses, si on remonte jusqu'au XVIIIe siècle et avant, les publicistes, voilà, ça ne touche pas les mêmes populations, mais il y a déjà une structuration complexe des discours qui parfois sont convergents. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une grande cacophonie sur les propositions culinaires. Si vous voulez savoir ce que vous voulez manger en demandant aux journaux féminins ou à la télévision, on est bien en peine de tirer une conclusion. C'est moins vrai sur la période antérieure, en particulier dans la rationalisation, l'utilisation, il y avait des convergences plus fortes. Et puis l'autre élément, c'est ce que je vous ai mis là, bon à penser, bon à manger, faux. C'est qu'il y a un classique de l'anthropologie de la cuisine. Effectivement, on ne mange que ce qu'on peut penser mangeable. Et effectivement, sans ce travail-là, penser mangeable, je veux dire, j'accepte de manger, mais aussi comment je vais manger et qu'est-ce qui va m'apporter. Tous ces éléments-là sont à voir.
Autre élément, c'est la culture urbaine. Là, j'invente rien, c'est pas nouveau, mais effectivement, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même la culture urbaine. On est beaucoup dans la réinvention des terroirs, etc. Je ne suis pas en train de dire. J'ai des souvenirs émus de Sopa l'Orso en Toscane, etc. Enfin, il y a des choses tout à fait intéressantes, mais c'est quand même l'urbanité qui crée. Qui est la plus créatrice de nouveaux comportements. Et peut-être à cause justement d'un ancrage sur les traditions, sur des éléments, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, on n'a peut-être pas assez travaillé sur l'urbain et sur la multiplicité des formes de consommation en espace urbain, au moins en remontant jusqu'au XVIIIe siècle, il y a sans doute encore beaucoup de choses. Et puis après, effectivement, comment les gens se l'approprient. Qu'est-ce qu'on fait avec ces propositions qui ne sont finalement que des propositions? Au final, le mangeur, c'est le mangeur qui décide de manger ou de pas manger, sous quelle forme il le mange, qu'est-ce qu'il en pense. Et là, je dirais, les enquêtes sont ouvertes. Voilà, donc je vous ai parlé de pâtes françaises, mais c'était des visions un petit peu plus ouvertes sur des éléments. Et je répète, à ma connaissance, le travail qui serait passionnant en Italie, j'avais regardé un petit peu loin pour voir ce qui était possible de faire. À ma connaissance, reste à faire. Et je pense que là, en plus, il va sans doute y avoir des aides des producteurs pour qu'on sache, pour qu'on discute clairement, effectivement, au-delà de l'aller-retour par la diaspora italienne, la construction de l'imaginaire, qui est un thème en soi, mais là aussi, quand on regarde, c'est beaucoup des universitaires étrangers qui ont travaillé sur cette thématique. Comment ce type de produit mérite d'être travaillé. Je sais qu'il y a des dimensions politiques qui sont pas évidentes à gérer dans la question autour de la consommation des céréales en Italie. Après, c'est une question que je trouve passionnante. Qui mériterait amplement d'être. Grazie,
sembra che uno dei passaggi più, come dire, mi ha interessato di più anche per le cose che ho studiato, che studio è il passaggio tra produzione artigianale e produzione industriale. Penso al caso italiano in controluce quello francese, e penso anche a Perdabà, al suo disgusto per il maccherone di Napoli. Ora, nel caso italiano noi abbiamo una particolarità che oggi la sostanziale reinvenzione e invenzione di una tradizione che c'è sempre stata, appunto per la Marmi 600 mostra, ma che in realtà la pasta di oggi, la pasta non è la pasta appunto che provocava disgusto negli osservatori e negli viaggiatori. Perché? Perché in passato era l'utilizzo di grani duri, tra virgolette, autoctoni, di qualità molto modesta. Nel caso italiano, per il futuro della pasta di Gragnano, bisogna aspettare a appunto che ci sia il senatore Cappelli, quindi un grano veramente buono per poter essere utilizzato e plastificato. E poi il problema della tecnologia. Quindi sicuramente del savoir-faire, come si fa la pasta, ma anche di quale livello tecnologico l'industria riesce a mettere in campo. Nel 1867, all'Esposizione Universale di Parigi, le paste di Genova sono rappresentate, ma molti osservatori italiani dicono è peccato perché i francesi le fanno molto migliori, perché la tecnologia francese in quella fase è sicuramente superiore a quella italiana. Ora, quindi tutto questo passaggio, evidentemente, a mio avviso è uno, parlando di pasta, uno dei pilastri principali del ragionamento, cioè nel passaggio appunto dalla piccola manifattura artigianale, penso appunto alla Gragnana, alla grande industria, ma piccola industria, c'è un miglioramento qualitativo del prodotto non indifferente. E questo chiaramente è quello che noi lo verifichiamo nel caso italiano, per esempio, di come anche nella nostra cultura gastronomica entri tardivamente la pasta solamente con Artusi. Perché prima era una prerogativa del centro-sud, qua al nord si mangiava o la pasta all'uovo, ma tendenzialmente era la pasta all'uovo dentro al brodo, alla francese. Oppure c'era il riso, scusate, nelle aree lombarde, eccetera. Ora, però tutto ciò si accompagna ovviamente al fatto che l'industria mette a disposizione del consumatore, del mercato, prodotti in quantità superiore e di qualità superiore. Volevo chiederti questo per il caso francese, se c'è un'analogia con la stessa, con questo processo che viene in Italia. Come funziona il circuito del grano e quale tipo di... Sì, no, se l'evoluzione tecnologica del prodotto veramente aiuta per il processo che scrivere, insomma. Ok, era la seconda parte che non ho fatto. Okay. Quello che succede è questo. All'inizio c'è una produzione artigianale piccolissima a Parigi, a Marsiglia, che produce dei prodotti cattivissimi. Veramente è per questo che si importano i prodotti italiani, perché sono a volte migliori. Questo fino all'inizio dell'Ottocento. Poi quello che cambia sarà che si cominciano a importare del grano duro di Ucraina verso il 220, e se mi ricordo bene la Agnesi, o almeno le industrie che erano prima di Genova, anche importavano questo grano di Tannenbock, tipo Tannenbock, che è usato per la semola. Poi quello che succede è che in Francia ci sarà una concorrenza tra diversi tipi di grano. Nella metà dell'Ottocento il luogo più importante di produzione semi-industriale, semi-artigianale, cioè con delle imprese di 50 persone più o meno, sarà a Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, perché il grano era un tipo di grano duro, semi duro.
ma poi lo sviluppo del grano duro, delle importazioni di grano duro di Ucraina farà sparire questa produzione. Quello che mi pare che è stato il più importante nel processo di industrializzazione, cioè comprare nuove macchine, investire in questo, è finalmente un caso, una spiegazione fiscale. Cioè, non è completamente vero, ma non, cioè, è un po' più complicato, ma l'idea è questa. Verso gli anni 880 c'è un sistema che, di importazione di grano che funziona sul modo che quando un importatore di grano trasforma il grano, che è un grano basico, cioè per fare delle farine, delle semola, può reesportare questo grano senza pagare, essendo rimborsato delle tasse doganali. È un po' tecnico, ma il fatto è che questo rimborso si basa sulla quota di trasformazione del grano, che era più o meno del 40%. Quando si passa a un processo tipo di monitura tipo ungherese, che è un grande cambiamento tecnologico a quest'epoca, si alza verso il 60%, ma il processo fiscale non cambia. Cioè vuol dire che ci sono 20% di tasse che vengono rimborsate sull'idea che questo era perso, ma in fatto no. Con questo, già questo è stato un modo per favorire l'industrializzazione della manifattura a Marsiglia. È stato una delle cause. Marsiglia diviene veramente il nodo centrale della trasformazione dei cereali nel Mediterraneo a quest'epoca. È uno dei motivi, perché la tecnologia non è francese, è ungherese. E anche in Italia ci sono dei mulini che hanno la stessa tecnologia, ma non hanno questa spinta che permette di fare cose. La seconda cosa è che funziona, questo funziona anche per la semola di grano duro, perché la tecnologia è simile, il cambiamento dei voli che per il resto è simile. Quello che accade è che questi trasformatori di semola, come per la farina, avendo tutto questo capitale accumulato, hanno potuto finanziare tutta la catena di trasformazione e aiutare le imprese che poi a fare credito ai clienti. E questo è andato fino ai negozi alimentari, cioè i produttori di pasta alimentare erano incapaci di lasciare i prodotti nei negozi senza chiedere il pagamento immediato del stock dei prodotti. E per questo hanno potuto costituire delle reti commerciali. È più o meno questo che è stato un fattore di sviluppo. Poi c'è un altro problema che sarebbe un caso interessante di fare il paragone tra il sviluppo del capitalismo industriale in Italia e in Francia. Poi c'è anche l'importanza dello Stato, il fatto che l'Italia si unisce, la Francia è molto unita, ci sono già tutti questi investimenti di unificazione territoriale, rete ferroviaria, eccetera, che sono molto importanti, e almeno per questa industria, l'industria della pasta sarà il
primo mercato sarà sempre Parigi, sarà prodotta a Lione, poi a Marsiglia, perché non costerà molto di fare il transito in treno. Cioè ci sono tutte queste cose da vedere. Per quello che ho potuto vedere, ma questo erano gli scritti del signore Agnese, cioè non so se bisogna vedere un po' quello che ha detto, già alla fine dell'Ottocento sembra che almeno a Genova, almeno a casa Agnesi, era un stabilimento industriale abbastanza importante. Ma è molto diverso da quello che mi ha mostrato. Questo è di voi, che costruisce a Marsiglia, il sito esiste sempre, si può vedere, veramente il più grande stabilimento e fabbricazione di casca al mondo, e penso che dove è rimasto per tutto il tempo, cioè la taglia di questo stabilimento è incredibile. E c'era in effetti una competizione all'esportazione. Quello che mi pare comunque che l'Italia fu capace di produttori italiani erano capaci di esportare dopo gli anni 80-90, perché all'inizio degli 1880 i produttori francesi erano i primi esportatori mondiali per qualche anno verso gli Stati Uniti. Poi cambia, di nuovo gli italiani sono capaci di fornire il mercato statunitense, e questo vuol dire che la qualità si è alzata, perché per spedire così oltremare bisogna avere prodotti che sono capaci di subire il trasporto. J'ai une petite curiosité parce que c'est un peu personnel peut-être, parce que moi mon expérience c'est pas sur le 19e ou début du 20e siècle, mais disons années 60 pour remonter aujourd'hui, quoi, en pensant un peu à l'occupion de mes grands-parents et mes parents. J'avais quand même l'impression que les pâtes c'était le plat des pauvres, en fait, quand on mange des pâtes, des pains noirs, on n'avait pas trop d'argent. Et après avec l'émancipation féminine, parce que ce que vous avez dit, de rien faire et laisser cuire, donc c'était en fin de compte, j'ai pas envie de cuisiner. On fait des pâtes, et puis les pâtes, ça nourrit, on les nourrit, ça coûte pas cher, tout le monde mange, et puis voilà, c'est terminé. Mais c'était pas une question, c'est bon, manger des pâtes, encore des pâtes. Alors, après, il y a une culture un peu différente quand avec bon, le tourisme, les échanges, tout ça, on a connu. Alors, les pâtes italiennes, c'était différent. Moi, quand j'ai commencé à vivre en Italie, j'arrivais en France, on dit, tu nous cuisines des pâtes italiennes. Parce que les pâtes françaises, ça veut dire, c'est mauvais, mais c'est pas cher et ça nourrit. Alors, en plus, je repense aux marques, parce qu'on avait du sucre, nous, bon, il y a bon le vieux du sucre, etc. Bon, c'était vraiment des grandes quantités de pâtes qu'on mangeait. Et les grandes années, ben, c'était, on pensait que c'était italien d'abord, et puis c'était un peu plus raffiné. Alors, je sais pas si. Il me semblait qu'il y avait des études qui avaient été faites qui disaient que les consommations de pâtes augmentaient les fins de mois, alors que les consommations de lait, de viande diminuaient. Ça, je sais pas si c'est des statistiques récentes, mais j'avais pas. Alors ça, j'ai pas vu, j'ai pas pensé à voir ça. Moi, ce que j'ai regardé, c'était la variation saisonnière de l'activité. Il y a effectivement une variation saisonnière, c'est-à-dire que vraiment, jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est plus un produit hivernal. Donc là aussi, il y a eu tout un travail, donc c'est aussi le potage, ces choses-là. Il y a eu tout un travail aussi des industriels pour les techniciens pour la consommation. C'est pas avant la salade de pâtes. En fait, pour l'utilisation, enfin moi, il y a de toute façon, c'est difficile, alors il faudrait voir des études précises. Moi, j'ai pas vu ça personnellement. Par contre, effectivement, la construction du discours selon lequel c'est un aliment adapté, peu onéreux pour les familles qui cherchent à se nourrir, ça, en tout cas, au-delà de la réalité, c'est un discours qui est volontairement construit depuis les hygiénistes à partir de la fin du 19e siècle. Donc après, effectivement, il coïncide avec un état de fait,
Voilà. Enfin, en tout cas, il est redoublé. L'expérience individuelle pouvait être redoublée par un type de discours effectivement disciplinaire, qui parfois est pris, d'ailleurs, je ne parle pas parce que les industriels sont méchants quand on commence à dire que le produit coûte pas cher, achetez-le. Ouais, mais on commence. Oui, mais alors, je ne vais pas le dire, mais j'ai perdu un dossier sur la publicité qui n'est pas intéressant. Hein. Dans les années 30, on commence à évoquer cette chose-là, mais tout en montrant en même temps une firme qui, visiblement, n'a pas du tout de problème financier. Là. C'est un peu curieux. Mais voilà, on avance un petit peu cet argument-là. Après, effectivement, il faut réinvestir, c'est vrai, mais il faut réinvestir dans quel contexte c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut quand même les faire cuire, donc c'est des choix et des alternatives. Et par contre, ce qui est vrai, ce que pointe votre remarque, ce qui est juste, c'est que le prix relatif baisse fortement après 1945. Ça, bon, je n'ai pas développé ici la partie industrielle, mais parce qu'après 1945, les pâtes font partie des produits qui sont dans le prix et contrôlés. Jusqu'en 1976, et il y a vraiment une stratégie du ministère de l'économie, justement pour un petit peu coincer les industriels afin qu'ils fassent des gros investissements de productivité. Et là, clairement, d'ailleurs, effectivement, il y a longtemps, la France, le prix des pâtes est très bas. Très bas. Mais c'est vraiment là pour le coup une construction institutionnelle. J'avais regardé, c'est pas vrai au 19e siècle. Je sais plus si j'avais regardé dans l'entre-deux-guerres. Je sais que j'avais regardé pour le 19e siècle, c'est pas un produit qui était bon marché. Les prix baissent au fur et à mesure de l'industrialisation, et ça c'est un effet normal. Si on y regarde de plus près, les légumes, jusque pratiquement aux années 1920, ne coûtent rien. Il coûte tellement rien que. Il coûte tellement rien que dans la ration du soldat, enfin moi je me suis intéressé aux rations des marins, je me suis intéressé aux biscuits de mer. Dans la ration des marins, il est prévu et les budgets sont ridicules. Et ça suffit pour que les marins aient leur 200 grammes de légumes par jour. Ça coûte rien. Effectivement, ça change parce que les organisations, etc. Donc bon, c'est aussi toutes ces choses-là. Donc effectivement, ça marche sans doute dans une période. Récente, et il y a des discours qui font écho, effectivement, c'est tout à fait, ça c'est indéniable, et c'est clair. Okay. En Italie, je ne sais pas, si c'est un plat pauvre. Non, en Italie, je pense aussi qu'il y a une question de goût, parce que quand on dit de bien manger ou mal manger, c'est une question de goût ou une question de santé. Alors moi, je crois, hein, ça pourrait faire toute une enquête plus approfondie, mais je pense qu'en Italie, c'est une question de goût. Les gens, ils aiment, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de pâtes, c'est bon les pâtes. Alors que pour nous, moi, dans ma culture hein, de ma génération, c'est pas bon. C'est pas bon. À part, bon, quand on a dans l'Italie, parce que c'est différent, mais c'est les pâtes italiennes, c'est pas les pâtes françaises. Les pâtes françaises, c'est pas bon. On les mange parce qu'on est obligé, parce que les parents nous obligent à les manger, mais c'est pas bon. Donc on n'ira jamais dire je vais pas inviter des gens à cuisiner des pâtes. Non, c'est impossible, c'est impossible. C'est pas encore, c'est pas encore. Alors qu'en Italie, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que ce serait intéressant de faire une étude sur l'Italie comparative. C'est pas un plat, de toute façon, c'est pas un plat en France. Mais c'est pas un plat. C'est pas un plat. Non, c'est un plat seulement chez les très pauvres. Il y a de la gamelle, on en met là, on met du beurre si on a, il y en a pas souvent. Et puis, quand on sale, on s'en fait pas mal. Oui, mais ça, c'est... moi je me l'ai fait dans les années 70. Je l'ai fait dans les années 70. Là, 70, là, oui, mais voilà, c'est ce que je n'ai pas insisté, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'on a accéléré. Il y a ce changement. Il y a ce changement, qu'on est en pleine guerre publicitaire, enfin en pleine guerre commerciale, donc il y a des promotions en permanence sur ces produits-là. Il y a des grandes distributions qui interviennent dans ce jeu-là. Non mais voilà, j'étais parti de ce que je dis, je suis parti de là aussi. C'est, voilà, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un produit populaire en France? En tout cas, la réponse que j'ai apportée, en tout cas, j'ai trouvé, c'est ça n'a pas toujours été, et en tout cas, si ça l'est, c'est pas avant les années 60. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des statistiques qui montrent que les ouvriers agricoles, les ouvriers non qualifiés et les agriculteurs mangent deux fois plus de pâtes en kilo que les cadres. Par contre, c'est plus vrai dans les années 80. Parce que les cadres mangeaient des pâtes à l'italienne. Donc voilà, ils mangent des choses avec des sauces, c'est très compliqué. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans ces histoires d'alimentation, ce que j'essaie de souligner, c'est que les changements structuraux sont lents, en fait,
Et en même temps, l'impression qu'on a peut changer très vite parce que voilà, la représentation qu'on se fait des choses peut basculer très rapidement parce que l'effet de distinction ne joue plus, parce que finalement il y a d'autres sollicitations qui sont plus intéressantes, parce qu'on s'accroche à d'autres idées et parce qu'on est aussi de plus en plus dans une demande de variété. Alors ça, je ne sais pas si c'est si nouveau, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de passer d'une demande à l'autre. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous disiez, c'était l'union. Dans l'union, c'est notre français. Le fameux l'union des restaurants, etc., dans lequel on avait le vermicelle. Ouais. Ça, début du siècle dernier. Mais quand on pense après, alors, toujours en 1870, probablement, quand le bouillon, c'est un cube, en fin de compte, tac, on met ça, on fait. Et puis on met le vermicelle, c'est l'horreur. Donc là aussi, c'était la punition pour les enfants, le soir. Oui, le mec, je dois la pastille. Attention que le mieux en cube, il existe dès la fin du 18e. C'est pas. Il est très onéreux. Alors après, non, ça non. Peut-être aussi. Mais avec Knorr, etc., c'est 1880, c'est pareil, c'est très vieux, imagine. Oui, c'est très vieux. C'est très vieux. Et en fait, on n'imagine pas tout ce que les générations d'avant nous ont fait croire. C'est-à-dire que toutes ces simplifications culinaires sont en fait très anciennes. Elles ont été cherchées tout de suite. Et là, c'est les bouillons Knorr. Je répète, j'ai vu aussi par le biais de l'alimentation maritime, des recherches de la navale dès avant la Révolution française pour avoir ce type de produit qui est destiné aux malades. Voilà, et alors c'est soit des concentrés liquides, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant l'invention du frigo, du bateau frigorifique, réfrigéré, dans les années 1870-1880, le développement de l'exploitation du bétail, surtout en Argentine, est exclusivement destiné à faire de l'extrait de viande. Et l'extrait de viande, sa première utilisation, c'est 3 gouttes pour faire un faux bouillon avec de l'eau. Donc nos ancêtres ont mangé des trucs enfin, voilà, qui n'ont rien inventé à nous, au repos de. Etc. Il faut le goût du. Bouillon Knorr avec ses légumes, un truc un peu bizarre, quand même. Ça a changé bien sûr la composition, mais c'est inventé dans les années 1880. Et donc, là c'est des travaux qui sont à faire, c'est qu'est-ce qu'on vend dans les épiceries, qu'est-ce qu'on achète dans les épiceries, qui l'achète et dans quel contexte. Et je répète, ma conviction, plus j'avance lentement, mais j'espère bientôt plus vite, dans ce domaine-là, c'est vraiment, pour être un peu provocateur, que nos grands-mères ne savaient pas faire à manger. Voilà. En tout cas, pas au sens où on entend aujourd'hui faire à manger. Voilà. Et l'invention du plat mijoté, du machin, déjà, il faut se poser la question de savoir, elle faisait mijoter dans quoi. Et c'est déjà, quand on a répondu à cette question, on peut comprendre que ça ne concernait pas grand-monde. En tout cas, en milieu urbain, c'est évident, il y a des descriptions de la vie ouvrière, des femmes ouvrières seules à la fin du 19e siècle, pas chez Zola, mais si on prend, je pense, il y a une syndicaliste très connue qui a écrit ses mémoires, jusqu'à l'âge de 30 ans, elle ne pouvait pas se faire à manger chez elle, et pourtant elle était chef d'atelier dans la couture, enfin, etc. Elle n'avait pas de quoi matériellement faire à manger chez elle. Les femmes, les grisettes parisiennes, mangeaient chez le crémier, mangeaient sous le pouce. Les hygiénistes, justement, constataient qu'elles étaient vraiment très très maigres. En plus, il y a une ségrégation sociale, un article très intéressant qui va sortir là-dessus. Une ségrégation sociale des lieux d'alimentation entre les hommes et les femmes, deuxième partie du 19e siècle, en partie involontaire, mais voilà, il y a des circuits d'alimentation qui sont très différents. Donc je répète, le fait qu'on rentre chez soi pour se faire un petit plat, je dirais en termes d'imaginaire, de c'est ça à manger. Moi, je le mettrais entre 1930 et les années 70. Et par contre, la publicité, les images nous ont saturés sur le fait que c'était la mer. Mais en pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut interroger effectivement les personnes qui peuvent encore avoir les mains de cette période pour en parler. Moi, je sais que ma grand-mère, qui par ailleurs gérait des cuisines collectives, était dans l'incapacité de faire trois plats, en fait. Voilà, c'est... D'où après effectivement l'utilisation des pâtes, effectivement, qui peuvent
Après, ce qui est vrai, c'est que les pâtes de confit en France restent encore quelque chose d'absolument insupportable. Sui temi su cui lavoro, quindi sulla parte del sistema, del food system che c'è nello Stato, che è la produzione agricola. E in particolare sugli anni di cui stavo parlando, quindi tu hai indicato un momento negli anni 70, quindi 70s, c'è cioè un cambiamento nel consumo della pasta. Mi chiedo se c'è anche una correlazione sapienziale, fatto degli studi, o l'EA ha fatto degli studi sulla correlazione del cambiamento, perché in quegli anni c'è anche un cambiamento nella produzione agricola e in particolare appunto nella produzione di grani sempre più industriali, industrializzati e industrializzabili, cioè di grani che possono essere utilizzati nell'agroalimentare, in particolare di grani quindi ibridati perché siano sempre più produttivi, sempre più ricchi di glutine, perché il glutine permette quel passaggio di velocizzare la cottura, non ci vogliono i tre quarti d'ora che abbiamo letto prima, ma bastano 20 minuti, addirittura 7 minuti di oggi. E quindi se ci sono, se avete fatto degli studi su questo, un'informazione. E un altro elemento invece, ho trovato molto interessante questo accento che hai messo sull'urbanità e quindi sull'importanza della relazione tra la città, perché anche nello studiare la produzione agricola, io in particolare mi occupo del contemporaneo, del tempo presente, l'elemento appunto della vicinanza con la città, la grande città o le grandi città, è fondamentale nella relazione, che è in realtà un elemento che tu ci hai molto ben evidenziato di lungo periodo, non è una scoperta di oggi, ma è invece un elemento molto antico. Quindi. Ma in particolare mi interessava capire se avete fatto studi. Però su questo punto non ho capito se c'era. Ma secondo me solo commento, ho trovato molto interessante il tuo continuo sottolineare la centralità della città come elemento, che è un elemento che ancora oggi è fondamentale, quindi sia nella trasformazione dei culturali, ma anche proprio della produzione agricola. Sì. Quindi, su questo sulla, ora ci sono un paio di studi in francese sull'importanza della produzione dentro la città. Questo viene molto sottolineato. Io non ho tutti i dati, ma so che nel libro di Florent Kellier, uno dei due riassunti dei principali lavori, fino all'inizio dell'Ottocento. Lui è un specialista dell'ortaggio e la tabella è forse ci sono studi che mostrano come rimane dopo il Medioevo e c'è una produzione agricola ortofrutticola molto importante dentro la città. Anche nel 800 ma ho visto una presentazione su questo punto, c'era un'organizzazione del circuito dei rifiuti, questo è vero per tutte le grandi città, che permetteva di sviluppare produzione ortofrutticola. E questo è cambiato quando hanno cominciato la costruire tutte le reti di inceneritori invece per la solita. E ancora questo comincia a Parigi verso gli anni 50 e ancora a tempo fino all'inizio della prima guerra mondiale si recupera una parte dei rifiuti umani e dei rifiuti dei cavalli che sono molto importanti per sviluppare tutta una produzione immediatamente accanto alla città.
e nel campo ortofrutico è incredibile, ci sono stati lavori su questo punto. Parigi diviene anche nel Settecento un centro molto molto tecnico dal punto di vista di produzione di melone, per esempio, o di alcune frutte che sono prodotte veramente o dentro Parigi, nei giardini dei palazzi, o immediatamente nei dintorni. Veramente c'è tutta un'economia che ha cominciato a sparire dopo la Prima Guerra Mondiale e poi con tutta la rinnovazione dei circuiti commerciali dopo gli anni 60. Questo è un punto su cui noi abbiamo la gente che lavora nel problema dei circuiti corti, che è veramente un tema molto importante. Sul grano io non ho lavorato su questo tema specificamente, ma quello che so è che negli anni 70 sì, c'è un cambio maggiore e che è l'inizio, ma penso che sia una domanda della politica agricola militare. C'è un sviluppo dei contratti di cultura che è anche una parte importante nella gestione della produzione di pasta alimentare. A questo punto quello che il circuito del grano è il seguente: fino alla Prima Guerra Mondiale e soprattutto il grano di Ucraina, poi con il regime sovietico questa importazione, c'è poi un sviluppo per la Francia del grano algerino, e anche si compra del grano nordamericano, del Canada o del centro degli Stati Uniti. E penso che è anche legato con i cambiamenti nel funzionamento monetario internazionale con l'inizio delle monete fluttuanti nel 72-73, cioè i produttori che dipendono per il 60% più o meno dal prezzo finale, il prezzo dei cereali è molto importante, con una piccola variazione si fa, cioè l'impresa che guadagna enorme. È veramente il punto più importante in questi anni e hanno cominciato a fare questo lavoro di sviluppare i contratti e oggi non ho chiesto perché ho parlato all'associazione di produttori di grano duro un mese fa, non ho chiesto questo. Penso che adesso la Francia produce più o meno la metà del grano duro che è stato utilizzato nella pasta. E anche non è un grano duro così duro, per questo che hanno anche potuto fare delle paste di una cottura molto rapida. Adesso abbiamo delle paste che possono in 2-3 minuti. E quando hanno fatto questo contratto, con questi contratti l'idea è anche di sviluppare dei grani specifici con le caratteristiche dell'istituto di eccetera, molto importante. Intanto mi scuso perché in francese è pessimo e ho capito, insomma, solo di aver capito di fare una domanda anche con un antropologo americano, Richard Wilk, parla di processi di compressione quando un alimento che è tipico, possiamo dire, o usato principalmente in un luogo e passa in un altro. Spesso avviene, non so, menù completi quando vengono trasportati in altri luoghi si concentrano magari in un piatto, insomma, 3-4 piatti diventano un piatto unico. Questo è vero anche, dato che la pasta è un cibo universale, questo dalla sua esperienza è vero in diversi contesti oppure invece no?
Cioè, il fatto che sia universale vuol dire che ci sono anche dei usi molto diversi. Poi questo argomento sarebbe per un'importazione di usi diversi dentro un'altra cultura, no? Se ho capito bene. Sì, esatto, però diciamo questo trasporto di usi e di generazioni si comprimono in tutta una serie di elementi. Sì, questo lo capisco. Questo valerebbe per lo sviluppo della pasta italiana in Francia, non per gli altri. Sì, c'è comunque quello che si è potuto vedere nell'ambito nordamericano, si vede anche in Francia, cioè c'è un'invenzione della pizza, un'invenzione della pasta, che viene un pasto cioè semplificato. Non ho pensato a questo punto, ma è molto vero per esempio per la cucina cinese, che si la mangia a Milano e non è la stessa a Parigi o Amsterdam. Ci sono delle reinterpretazioni locali anche da parte di indigeni che cuociono per i locali. Questo no, questo è di convenzione, no, per la pasta. Io penso che l'idea è questo, che sarebbe sul lungo termine è una appropriazione di una cultura culinaria specifica. E non so cosa avete sentito nel prodotto, avete detto qualcosa sulle assicurazioni dei prodotti? Sì. Sui pomodori o no? Non c'è una... no. Anche lo stesso per l'uso di... c'è una riappropriazione completa dei prodotti. Sì, si può fare il paragone con un senso con... poi i pomodori, cioè queste paste alimentari che sono viste come un prodotto italiano, con delle ricette italiane che esistono, sono rielaborate dentro la cucina francese. Questo prima. Ora, cioè la pasta asciutta con la salsa è qualcosa di inventato, più o meno tipo italiano, diciamo. E Panzani giocava su questo, la pubblicità, la pubblicità in francese, all'italiano di lusso. È un'impresa che è stata creata in partenariato, che è vicino a Poitiers. Non ha niente da fare con l'Italia, questo. I brani erano locali all'inizio. Che un po' inventa veramente un uso verso specifico locale. Grazie.